Si vous voulez bien prendre place. Bien, chers collègues, nous pouvons ouvrir notre séance. Juste un mot pour vous préciser qu'il y aura annoncé 151 collègues à l'hôtel de région. Aujourd'hui, 134 demain, sur les tablettes 22 lundi, aujourd'hui, et 36 mardi. Sur Poitiers, 3 collègues lundi et 1 mardi. Sur Limoges, 3 lundi et 4 mardi. Et il y a 4 excusés. Mathieu Berger. Bah non, mardi. Pascal Bousquet-Pitte, Jacques Aymon, Jérôme Guillem, Virginie Jouve et Yves Troussel pour mardi. Bien, mes chers collègues, nous ne pouvons démarrer cette plénière sans une pensée, quelques mots en direction de l'Ukraine, dont le bleu azuré et le jaune bouton d'or sont devenus depuis 3 semaines le symbole universel d'une courageuse résistance, les couleurs d'un espoir fragile et du combat pour la démocratie. Nous aurons une pensée pour toutes les victimes des bombes, des chars, des balles russes, mais également pour celles et ceux qui ont tout perdu, fuyant un conflit qui n'épargne rien ni personne, pas même les hôpitaux, les maternités ou les musées. Ça se passe ici, sur notre vieux continent, aux portes même de l'Union européenne. En quelques jours, l'impensable est devenu réalité. La guerre, avec son cortège d'horreur, son lot de déchirements, a refait irruption dans nos vies. Peut-être fut-ce une erreur d'avoir pensé, parce qu'elle nous semblait éloignée, seulement rapportée par des JT où tout se confondait, l'Irak, la Syrie, le Yémen, pour ne citer qu'elle, que la guerre était une relique du passé à jamais bannie. Il n'en est rien. Déjà l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, au lendemain de la chute du mur de Berlin, avait illustré que la fin de l'histoire était une chimère, y compris en Europe, où même deux guerres mondiales apocalyptiques ne sont manifestement pas parvenues à éteindre les velléités martiales, où le plus jamais ça que chaque génération a prononcé n'existe. Est-ce que l'histoire ne sert à rien? Et pourtant, l'heure n'est ni à la résignation ni à l'abandon. La démocratie n'est pas un acquis. Elle est un combat de tout instant, l'engagement de toute une vie, fût-ce à son péril. Par sa violence, par ses conséquences dévastatrices, ce conflit doit renforcer notre détermination à prendre toute notre part dans la marche du monde, aussi modeste et infime soit-elle. Peut-être que ce conflit va renforcer l'Europe et la démocratie.
mais il faut aujourd'hui que nous puissions témoigner à notre niveau, à notre modeste niveau, que nous soutenons le peuple ukrainien, sa démocratie, le droit à l'existence d'un peuple ou d'une nation. À l'heure où le peuple russe ne reçoit comme information qu'une série d'événements filtrés, contraints, où celui ou celle qui s'exprime risque la prison pour 15 ans. Nous devons ici témoigner et nous devons soutenir. Nous avons commencé avec le plein soutien de toutes et tous à la dernière commission permanente. Des actions vont être menées à la fois au niveau de l'État, mais aussi au niveau de l'ensemble des organisations non gouvernementales, des ONG. Je veux saluer celles et ceux, et parfois des élus, qui ont accueilli des réfugiés dans leur demeure. Et nous sommes tous émus de constater l'élan de solidarité tous azimuts des Françaises et des Français. Rappelons que 80% des personnes accueillies sont des femmes et des enfants, et que si nous pouvons soulager leur fardeau, même très modestement, nous aurons fait là une œuvre utile. Je vous propose, s'il est prêt, d'entendre l'hymne ukrainien et d'avoir un moment de recueillement. Je vous remercie. Je voudrais aussi, en ce début de séance, avant de dire un mot sur l'ordre du jour, avoir aussi une pensée pour la famille et pour Jean-Marc Orgoboso. Certains d'entre vous peut-être le connaissent sur ces bancs. Jean-Marc Orgoboso a été le responsable de la recherche ici au Conseil régional pendant deux mandats. Il a porté de magnifiques dossiers, notamment le campus neurologique, le Neurocampus,
qui a fait de cet institut, à quelques pas d'ici, un des plus beaux centres de recherche sur les maladies du vieillissement. Il a porté aussi la découverte ou la redécouverte de l'Institut Lyrique. Lyrique, c'est cet institut créé par le professeur Michel Heidegger sur les maladies du rythme cardiaque qui produisent, pardon de dire cela, mais c'est peut-être en résonance avec ce que je disais tout à l'heure, autant de morts que les morts de la route et les morts du sida, qui est devenu aujourd'hui d'ailleurs un centre mondial sur ces maladies. Il a contribué à l'Institut des sciences de la vigne et du vin que nous avions lancé lors du premier mandat. Il a accompagné toutes les forces de recherche. C'était une personnalité flamboyante, ressemblant à un grand d'Espagne, et qui nous a accompagnés pendant longtemps, qui s'est battu jusqu'au bout pour ces maladies compliquées, notamment l'autisme, la maladie d'Alzheimer. Voilà, mes chers collègues, pensons à Jean-Marc Rougobezeau. Et puis nous avons une série de jolis dossiers. D'abord le CPER que Laurence Rouette va présenter. Alors ce CPER a été un peu tabassé avec les différents plans de relance, avec le grand plan que nous avons signé avec le ministère des Transports sur la régénération des petites lignes, d'1,6 milliard. Aujourd'hui, ce document, l'État l'a souhaité ainsi, n'est pas totalement abouti. Il lui manque, sur la durée 2021-2027, la partie mobilité, mais sur la recherche, sur la transition écologique, sur l'aménagement du territoire, il a fait l'objet de nombreuses discussions avec tous les élus du territoire. Tout le monde n'y retrouvera pas son compte, bien entendu, y compris parce qu'il y manque sur certains projets des financements. Et il faudra bien sûr reprendre tout cela après les élections présidentielles. Et puis, nous aurons une feuille de route sur la politique contractuelle, une autre sur l'électronique. Pas simple sur l'électronique, tant nous avons perdu de compétences, de savoir-faire, et tant nous sommes dépendants notamment de la Chine, mais nous sommes aussi dépendants de l'Ukraine, dans la mesure où celles-ci produisent du gaz néon qui servent à faire les microprocesseurs. Il y a un projet important soutenu par l'Union européenne de 42 milliards, et nous nous sommes mis en situation avec le monde de la recherche et le monde de l'entreprise pour pouvoir répondre à cette réacquisition des compétences et cette nécessaire réindustrialisation sur ce plan-là avec les sauts technologiques qui vont bien. Je pense aussi à nos agriculteurs qui vont, avec la crise climatique et la crise ukrainienne, avoir d'énormes problèmes d'approvisionnement. Je pense aux éleveurs notamment, qui vont rencontrer des difficultés tant en matière de hausse des prix pour l'alimentation animale qu'en matière d'échange sur les semences avec l'Ukraine ou avec la Russie, même si ces échanges, comme pour l'énergie, n'ont pas été arrêtés. Je pense profondément d'ailleurs que les quatre crises que nous traversons, la crise sociale, la crise sanitaire, la crise climatique et la crise géopolitique, que ces quatre crises doivent nous interpeller en matière de réacquisition des compétences, en matière de renforcement de l'Europe, en matière de réindustrialisation, mais dans le bon sens. Il ne s'agit pas de produire pour produire, il faut produire par rapport au réchauffement climatique. Nous n'avons pas à
lever la main, le pied sur ce qui fait, dans l'avenir, un des principaux défis de notre société et de l'intelligence humaine. Et puis, il y aura des dossiers sur la culture. La vie de la région ne s'arrête pas. Et nous aurons aussi à travailler sur ce qui concerne la réhabilitation des centres-bourgs. Mais tout cela s'adressera à nous tous dans les moments qui viennent. Voilà, je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour, sauf s'il y a des... Oui, monsieur le président. Sauf s'il y a des mots à dire. Monsieur le président, Nicolas Thierry. Nicolas Thierry. Qui souhaite intervenir ? Alain Bachet. Nicolas Florian. Jean-Philippe Plaise. Edwige Diaz. Eric Sargiacomo. Geneviève Darrieussecq. Oui, j'ai noté. Alors, Nicolas Thierry. Monsieur le Président, chers collègues, je ne peux également débuter mon propos sans consacrer mes premiers mots à la guerre en Ukraine. Nous sommes ici dans une assemblée politique. La gravité de ce qui se déroule actuellement à quelques milliers de kilomètres de la France occupe l'esprit de chacune et chacun d'entre nous. Cette crise fait entrer notre continent dans un moment de basculement et les prochaines semaines nous diront si c'est aussi un engrenage. Mais il est également tout de suite, en tout cas, important d'analyser et de bien comprendre que les enjeux sont interdépendants et qu'il existe un dénominateur commun entre les choix politiques que nous faisons ici et ce qui se passe en Ukraine. L'invasion russe en Ukraine s'explique bien sûr par de multiples raisons, mais cette agression contre un pays souverain est aussi l'expression d'un rapport de force fondé sur la possession des ressources, qu'elles soient par exemple énergétiques ou encore agricoles. En effet, la Russie a déclenché l'impensable, pour reprendre vos mots, monsieur le Président, car le régime autoritaire à sa tête se sait incontournable, en raison notamment des immenses ressources de pétrole et surtout de gaz sur lesquelles il est assis, réserve d'hydrocarbures que le réchauffement climatique devrait par ailleurs accroître en ouvrant de nouvelles zones de prospection suite à la fonte progressive de la banquise. La même perspective vaut pour la production agricole, car là aussi le réchauffement climatique va probablement mettre la Russie en position de force et donc percuter fortement les équilibres géopolitiques. Les modélisations montrent en effet que dans les prochaines décennies, la Russie pourrait doubler sa superficie cultivable en raison de la fonte du permafrost. Et la guerre en Ukraine jette une lumière crue sur la manière dont l'Europe et la France en premier lieu ont bâti les conditions de leur dépendance envers un certain nombre de pays et par conséquent à l'égard de régimes autocratiques et autoritaires. Refuser par exemple obstinément une vraie politique d'économie d'énergie ou de déploiement des énergies renouvelables nous place aujourd'hui dans les mains, nous les Européens, du gaz russe. Notre addiction aux énergies fossiles, en plus de nourrir l'emballement climatique, finance la guerre qui nous menace. Nos pays européens paient chaque jour 800 millions d'euros, sonnant et trébuchant, à la Russie pour se fournir en énergie fossile. Une rente qui finance les crimes de guerre de Poutine au moment où l'Europe cherche à l'étrangler financièrement. Autre exemple, mais même mécanique à l'œuvre, avoir fait le choix non pas de la souveraineté alimentaire, mais d'une agriculture industrielle, hyper spécialisée, tournée vers l'exportation, nous rend aujourd'hui vulnérables alors même que nous sommes le premier pays agricole européen. Avoir fait le choix politique d'un modèle agricole chimique et industriel, sous perfusion des engrais azotés de synthèse, fabriqués, rappelons-le, à partir de gaz fossiles, participe aujourd'hui à nous placer en situation de grande faiblesse. Toutes celles et tous ceux qui, jusqu'à récemment, répétaient à qui voulait l'entendre que le modèle agricole français, fondé essentiellement sur l'agriculture intensive, chimique et industrielle, était une force pour notre pays, cela nous ont mis dans l'impasse. La transition écologique de notre modèle agricole, de notre système énergétique, de nos modes de production, n'est pas seulement un impératif pour préserver l'habitabilité de notre planète. C'est aussi une pierre indispensable à l'édifice de la paix. La tragédie qui frappe l'Ukraine nous fait presque oublier, par ailleurs, la crise sanitaire et la pandémie mondiale qui frappe l'humanité depuis 2 ans. Sur ce sujet également, les scientifiques et les experts nous alertent sans détour. Le changement dans la manière dont nous utilisons les terres, la destruction des écosystèmes naturels, l'intensification de l'agriculture ou encore la production de biens non durables ont pour conséquence de créer les conditions d'apparition de zoonoses.
ces infections transmises à l'homme par les animaux. La communauté scientifique ainsi que l'OMS sont catégoriques. Si nous ne bifurquons pas, nous allons entrer dans l'ère des pandémies. Et une nouvelle fois, la transition écologique est étroitement liée à ce que nous avons de plus précieux, notre santé. Et pour participer à dévier le cours des choses, être à la hauteur au niveau qui est le nôtre en Nouvelle-Aquitaine, nous devons aller plus loin, faire preuve de méthode et assumer plus d'ambition. Cela nécessite aussi du courage, celui d'assumer que dorénavant, pas un euro d'argent public régional ne participera à financer des projets, des productions ou le développement de filières qui alimentent et nourrissent un modèle qui nous précipite vers un monde dont personne ne veut. Chaque euro d'argent public doit être conditionné à une ambition maximale envers l'équilibre climatique, la préservation du vivant et le respect des droits humains. Dernier exemple en date. Un consortium de journalistes d'investigation vient de dévoiler il y a quelques jours une enquête relayée par les grands médias français qui nous apprend que les chars et les avions russes qui pilonnent la population ukrainienne sont équipés de systèmes de navigation et de détecteurs infrarouges fournis par les groupes Thales et Safran. Le fait que le Conseil régional accorde des sommes très importantes, sans aucune conditionnalité, à ces deux grands groupes ne mérite-t-il pas au moins un débat, un profond questionnement de notre Assemblée régionale sur les contreparties que nous attendons en retour d'un soutien public. Je pourrais également évoquer le cas de Total Energy, qui poursuit ses activités en Russie, alors que les autres géants d'énergie fossile, comme BP, Equinor, Shell ou encore ExxonMobil, ont décidé de cesser totalement leur activité en Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. La décision de Total Energy de rester en Russie est d'une indignité absolue. Savoir que l'une des dernières majors du pétrole qui accepte de collaborer avec Poutine est une multinationale française, c'est une honte pour notre pays. Certes, Total Energy est une entreprise 100% privée et peut encore légalement faire ce choix. Mais à ce stade, ce n'est pas un problème juridique. C'est une faute morale. Même Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a déclaré sans détour qu'il y avait, je cite, « un problème de principe à travailler avec toute personnalité politique ou économique proche du pouvoir russe ». Notre région, plus grande région française, qui a par ailleurs un passé très particulier avec Total Energy, anciennement Elf Aquitaine, n'aurait-elle rien à dire sur ce sujet ? Nous pourrions donc continuer à nous indigner du massacre de la population ukrainienne, tout en continuant à collaborer financièrement et techniquement avec Total Energy et ses filiales, sans jamais poser la moindre condition. Est-ce vraiment ce que nous souhaitons ? Je garde en mémoire les mots du ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui disait avec force, devant les médias du monde entier, que le pétrole et le gaz russe ont l'odeur du sang ukrainien. Dans ces moments graves, oui, il faut avoir de la mémoire, se souvenir des ressorts des totalitarismes qu'on voit ressurgir, et les horreurs qu'ils peuvent engendrer. Notre motion sur le camp nazi de Buglos va dans ce sens. Il est essentiel de prendre la mesure du passé et de ce qu'il nous enseigne. Rappelons-nous aussi comment certaines multinationales ont prospéré honteusement sur les guerres. C'est donc bel et bien un cas de conscience de faire notre part pour rappeler à une multinationale française, très présente dans notre région, que participer à enrichir Poutine et donc financer le retour de la guerre en Europe est une faute morale et historique. Il me paraît essentiel que notre région participe à son niveau à la pression mise sur Total et ses filiales pour que cet industriel français cesse toute collaboration avec la Russie de Poutine. Nous devons signifier à Total Energy que les partenariats avec la région Nouvelle-Aquitaine seront suspendus tant que la décision de se retirer de Russie ne sera pas prise. C'est le sens de la motion que nous avons déposée et je souhaite sincèrement qu'elle trouve un large écho dans cette Assemblée. Et Monsieur le Président, à l'occasion de la plénière d'installation de ce nouveau mandat, je m'étais adressé à vous en vous rappelant que ce mandat était celui de la dernière chance. Un mandat qui s'achèvera à la fin de ce que les scientifiques appellent la décennie critique et dont les menaces sont une nouvelle fois explicitement rappelées dans le dernier très récent rapport du GIEC. Ce mandat ne ressemblera pas au précédent, car la réalité des événements vont toutes et tous nous rattraper, et c'est malheureusement déjà le cas. Le péril climatique, l'effondrement du vivant, l'émergence de pandémies, le retour de la guerre sur notre continent, le creusement des inégalités et la montée des nationalismes sont devenus des réalités. Ces mosaïques de crise sont en train de se conjuguer et nous font basculer dans des temps incertains. La situation est inédite et les réponses politiques doivent l'être également. Ce mandat régional ne peut et ne doit pas être une simple continuité. La lecture du contrat de plan État-région, qui est à l'ordre du jour de la plénière, est à ce titre inquiétant. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail au moment du débat sur le CPER, mais le verbiage et le bavardage de ce document ne suffit pas à masquer l'absolue imprécision sur les financements, le calendrier et les projets détaillés prévus pour notre région, alors même que ça devrait être le cœur d'un contrat de plan. L'absence du volet mobilité ne fait que renforcer le manque de consistance de ce document. La problématique de ce plan, qui devrait proposer une vision stratégique, est à chercher dès l'origine, dans sa méthode d'élaboration. Comme le CESER le souligne avec justesse, le CPER doit, s'il veut atteindre ses objectifs, être plus participatif,
construit de manière plus démocratique et favoriser la concertation avec la société civile. La verticalité avec laquelle ce contrat de plan a été élaboré ne peut qu'engendrer un document technique sans aucune orientation stratégique. Notons à ce sujet que même le CESE n'a eu aucun retour suite à son avis formulé sur le document cadre à l'été 2021. Dans son avis, le CESE s'exprime aussi sur l'agriculture et note, je cite, que les moyens ciblés sur l'innovation technologique sont symptomatiques du décalage entre les problématiques passées et les enjeux futurs. Et les membres du CESE ajoutent que la refondation qui est devant nous dépend beaucoup plus essentiellement de choix politiques que d'innovation technologique. Encore une fois, et ce CPER en est une nouvelle illustration, le temps est venu de faire autrement, de sortir des habitudes installées depuis des décennies. La pandémie, les catastrophes climatiques et maintenant la guerre avec toutes ses horreurs et les conséquences sur la vie des femmes et des hommes, que faut-il de plus, Monsieur le Président, pour décider de changer de méthode et de logiciel ? Merci pour votre attention. Merci. Nicolas Florian. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vous dire combien on s'associe à vos propos empreints de justesse en début de séance sur la solidarité que l'on doit exprimer vis-à-vis du peuple ukrainien et nous associer aux commentaires que vous avez pu faire sur une situation qui, en évitant d'être mortifère, inquiète et fait prendre conscience de la fragilité du monde, qu'aujourd'hui c'est en Europe, c'est à nos portes. Et donc on veut aussi exprimer tout notre soutien, saluer les initiatives de nombreux élus qui sont sur ces bancs, qui, avec leur casquette municipale, se déploient depuis maintenant quelques jours pour l'accueil de familles, la capacité que nous avons les uns et les autres à pouvoir répondre à cette grande détresse et à aussi, quelque part, sauver des vies. C'est ça la réalité, par cette capacité d'accueil sur notre territoire. Et donc on s'associe bien évidemment à toutes les initiatives qui sont prises et saluer votre discours de début de mandat, de début de séance. Vous dire aussi, et vous l'avez exprimé, en tout cas on a pu en avoir la lecture dans les différents quotidiens locaux, que nous accompagnons nécessairement les mesures immédiates que vous avez pu prendre s'agissant des soutiens auprès de fonds d'urgence, aides aux ONG et autres modalités que vous exprimerez à la commission permanente du mois d'avril, mais que vous avez déjà exprimées. Donc nous associons bien évidemment à toutes ces mesures. Et ça me donne l'occasion de vous dire, et je me pose de suite en opposition frontale avec ce qu'a pu dire mon prédécesseur dans son intervention, même si je connais sa sincérité et son intégrité intellectuelle, à Nicolas Thierry, et lui dire qu'on est totalement en opposition avec ce qu'il dit. Nous ne considérons pas que l'agriculture est un risque ou un danger. Nous pensons justement que l'agriculture est une chance et une opportunité pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'au même titre que les politiques qui pourraient être déployées au niveau catégoriel et sectoriel, on pense à l'agriculture, j'y reviendrai après, il y a aussi un certain nombre d'initiatives que nous souhaiterions voir mises en œuvre assez rapidement sous votre présidence, Monsieur le Président, s'agissant de l'aide, du soutien qu'on peut apporter à nos concitoyens. Car la réalité qui nous rattrape et qui risque de nous rattraper et s'amplifier dans les semaines qui viennent, c'est les conséquences dramatiques qui vont peser sur l'épaule des Aquitaines et des Aquitains. On parle beaucoup en ce moment de notion de pouvoir d'achat. On a envie, nous, de parler de coût de la vie. Et toutes les conséquences dans la vie quotidienne, aujourd'hui, c'est le prix du carburant, c'est le prix de l'énergie, c'est la sécurité alimentaire qui vont être mises à mal, qui sont déjà mises à mal depuis maintenant quelques jours. Et nous souhaitons, Monsieur le Président, que des initiatives que vous avez commencé à prendre, mais qu'il faut sûrement amplifier, soient prises. Nous avons été capables, vous avez été capables, notre région a été capable en son temps de déployer beaucoup de moyens pendant la crise sanitaire. C'est un peu plus de 115 millions d'euros qui ont été déployés sur notre territoire, hein, tant sur les participations au Fonds national des solidarités que sur les aides directes aux entreprises et aux associations, qu'il y ait véritablement un grand plan de soutien face aux conséquences de cette crise à nos portes, de ce conflit et de sa traduction auprès de nos concitoyens. Nous rappelons souvent, et vous le faites
comme d'autres, que s'agissant de notre géographie locale, nous sommes la première région agricole du monde. Notre tissu d'agriculture, d'agroagriculture et d'élevage est très puissant, mais est très, très menacé. Et donc, ce que nous souhaiterions vous proposer, on a vu que vous aviez déposé un petit document sur nos tables, il faut aller plus loin et que dès maintenant, on engage un certain nombre d'initiatives. La première, ça serait de mettre en place une conférence permanente ou notre type de gouvernance qui, sous votre présidence et en présence d'élus représentant chaque banc de l'Assemblée, mais aussi avec les consulaires, les représentants des filières, des consommateurs, puissent dès maintenant se mettre au travail sur une mission d'évaluation, de diagnostic des effets de ce conflit pour nos concitoyens en Nouvelle-Aquitaine, avec une mission qui serait confié à cette conférence ou ce groupe, c'est de pouvoir vous proposer, Monsieur le Président, un véritable plan de soutien catégoriel et de portée générale qui pourrait se décliner en trois phases. Une première phase qui serait, j'allais dire, immédiate et conjoncturelle. Une seconde phase qui serait dans l'anticipation et la planification d'un certain nombre de politiques publiques. Et une troisième phase qui serait une préparation à une révision structurelle de ces dites politiques publiques qui puissent répondre aux conséquences que nous vivons aujourd'hui, mais aussi plus généralement, et comme vous l'avez signalé, aux grands enjeux qui attendent nos concitoyens dans les années qui viennent. Si nous devions proposer très concrètement, et c'est ce que nous faisons sur un volet plus immédiat et conjoncturel, c'est de dire que vous seriez en capacité d'utiliser le levier fiscal, celui de la TICPE. C'est aujourd'hui un produit d'un peu plus de 60 millions d'euros qui est imaginé pour l'année 2022. Nous vous proposons d'envisager une exonération totale, temporaire, mais totale, de la TICPE sur tous les utilisateurs, tous les usagers, avec, j'allais dire, un regard plutôt bienveillant s'agissant des utilisateurs professionnels. Je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs, mais aussi auprès de nos concitoyens. Ça viendrait s'additionner, même si certains pourraient regretter que c'est une goutte d'eau, mais ça viendrait s'additionner à de nombreuses autres initiatives prises par le gouvernement, notamment, sur l'impact et minorer l'impact auprès de nos concitoyens du prix à la pompe. Deuxième proposition, c'est qu'on puisse agir très rapidement avec ou un fonds ou une aide directe pour soutenir la trésorerie de nos acteurs du territoire. Je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs, je pense à tous les secteurs impactés. On peut aussi imaginer pour les éleveurs. Et donc, comme ça a pu se faire au moment du Covid, déployer des moyens financiers pour cette aide à la trésorerie. Ça serait aussi une initiative qui pourrait être prise pour favoriser et accompagner une sécurisation autour de l'alimentation et des matières premières. On a la chance d'avoir beaucoup de partenariats avec des régions du monde. On a la chance d'avoir des infrastructures, je pense à nos ports, à nos capacités de mobilité, de sécuriser un certain nombre de filières et d'aider toutes celles et tous ceux qui vont être frappés de plein fouet par la hausse des matières premières et notamment les matières alimentaires et tout ce qui tourne autour de la capacité à produire. Nous avons aussi une proposition qui pourrait être une aide directe auprès de nos concitoyens, qui serait d'aider à l'acquisition de kits bioéthanol et la capacité. Et là, on va vers quelque chose de structurel, de réformer nos moyens de motorisation de nos véhicules et d'aider à cette transition vers le kit bioéthanol. Que vous puissiez d'ailleurs aussi, Monsieur le Président, agir de votre poids, dont on sait qu'il est important auprès du législateur, du gouvernement, pour revoir des réglementations des fois trop contraignantes, notamment pour les agriculteurs, quand il s'agit de passer à du biocarburant. C'est un parcours du combattant pour eux et c'est assez difficile à mettre en œuvre dans le cadre de cette transition. Donc vous puissiez là aussi intervenir. Peut-être imaginez aussi de sécuriser les parcours
de nos fournisseurs dans le cadre des marchés publics. On voit bien aujourd'hui que le coût des matières premières évolue quasiment à l'heure près, et on s'aperçoit très régulièrement qu'entre le moment où un marché public est lancé et le moment où il est mis en œuvre, il y a des écarts entre les prix d'objectifs, et que l'aléa du prix et l'indexation des prix ne soit pas en défaveur de nos fournisseurs. Je pense notamment à tout ce qui est alimentation dans nos lycées, et puis même dans tous nos marchés publics, et que l'on puisse rassurer, assurer, sécuriser un certain nombre de nos acteurs. S'agissant toujours de mesures assez immédiates, c'est voir dans quelle mesure on ne pourrait pas mettre en place un fonds de soutien aux éleveurs, dont on sait qu'ils sont très, très menacés, afin de sécuriser leurs revenus immédiats et qu'on n'ait pas une seconde vague, là aussi, de déclin et de faillite auprès de nos acteurs locaux. Deuxième phase qui pourrait revendiquer l'idée de planifier et d'anticiper les choses, ça a été abordé, mais on est en contradiction, j'allais dire frontale, avec ce qu'a pu dire Nicolas Thierry. Justement, nous considérons qu'il faut sécuriser l'approvisionnement en intrants. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les questions autour des engrais, des semences, sont une réalité pour nos producteurs. Il faut sortir d'un certain nombre, j'allais dire, de vœux pieux et d'être pragmatique dans la situation que nous traversons. Il s'agit de la sécurité alimentaire de nos populations, autant que la sécurité de nos acteurs locaux, et donc de pouvoir là aussi favoriser l'approvisionnement en intrants, aller vers un objectif qui serait louable à nos yeux, de produire en Nouvelle-Aquitaine et ne pas être dépendant. Deuxième élément sur une anticipation ou une planification, c'est de favoriser et d'accélérer tout ce qui pourrait aboutir à une forme de souveraineté énergétique régionale. Je pense notamment aux efforts que nous pourrons déployer en termes de méthanisation, d'accompagnement autour de la méthanisation, de biomasse, d'hydroélectricité dans nos territoires. Enfin, et j'en terminerai là-dessus, c'est une phase de révision de nos politiques structurelles. Et moi, là aussi, je redis combien on est en opposition avec ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas de contraindre encore un peu plus nos agriculteurs. Quand on regarde à l'échelle de la balance commerciale, si on sort les produits issus de la vigne et du vin et des spiritueux, la balance commerciale, et c'est historique, sur les produits agroalimentaires est négative. Nous ne sommes plus en sécurité et en souveraineté alimentaire pour ce pays. Il s'agit de lever un certain nombre de contraintes. Et là où certains s'imaginent déjà une nouvelle mouture sur Néoterra, nous demandons instamment à ce qu'on soit en capacité de revoir de fond en comble, avec là aussi un groupe de travail, et pourquoi pas un moratoire. Il ne s'agit pas de contraindre encore un peu plus. Le bio, c'est très bien. Mais enfin, aussi, on a une production locale à aider. Il faut arrêter la mise en jachère. Il faut arrêter la restriction des terres cultivables, et qu'on puisse là aussi soutenir cette filière et assurer notre souveraineté alimentaire. Il y va aussi la sécurisation de l'acheminement d'un certain nombre de produits. Moi, j'ai été choqué, comme d'autres, de voir ces photos de trains renversés qui étaient destinés à alimenter l'élevage, tout ça par dogmatisme et par idéal. Il faut stopper ça, il faut être pragmatique et aider nos agriculteurs. Enfin, il y aurait la question de l'eau. Si on veut produire plus, il faut de l'eau. Et tout ça doit être mis dans le cadre d'une planification de nos initiatives. Merci pour votre attention. Merci Nicolas. Edwige Diaz. Monsieur le Président, le Rassemblement national a toujours été du côté des peuples en souffrance. Aujourd'hui, auprès des Ukrainiens victimes des bombes russes comme hier, et hier avec les Irakiens sous celle des Américains. La France doit jouer pleinement son rôle pour faire triompher la diplomatie sur la guerre. Jouer son rôle humanitaire également auprès des populations sur place, mais bien sûr également auprès des réfugiés dans les pays limitrophes, mais aussi sur notre territoire. Des réfugiés ukrainiens qui, contrairement à d'autres, sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Des réfugiés ukrainiens qui, contrairement à d'autres, ne cherchent qu'une protection temporaire dans l'attente d'un retour rapide vers leur pays pour retrouver leur mari, leur père ou leur fils. En résumé,
de vrais réfugiés au sens de la Convention de Genève, qui, contrairement à d'autres, ne détourne pas le droit d'asile au profit d'une immigration économique. En revanche, permettez-moi de m'inquiéter des conséquences de la surenchère de sanctions décidées par le gouvernement sans qu'il ne se préoccupe un seul instant de savoir si les conséquences ne seraient pas plus terribles pour l'économie française que pour la Russie. Comme beaucoup, je garde en mémoire l'embargo de 2014 qui a causé bien plus de tort aux agriculteurs français qu'à la Russie. Visiblement, dans la classe politique, bien peu ont retenu cette leçon. Contrairement à d'autres responsables politiques, je ne demanderai pas aux Français de ne prendre leur voiture qu'un jour sur deux ou de baisser leur chauffage de 2 degrés. Je refuse catégoriquement qu'ils soient les victimes collatérales de ce conflit. Et pourtant, ils le deviennent. Ils le deviennent car cette guerre rappelle toutes nos failles, la désindustrialisation, l'affaiblissement de notre agriculture et la dépendance organisée envers les importations de biens les plus stratégiques sont les conséquences directes de choix politiques opérés ici, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à Paris et à Bruxelles. Alors quand je vous entends, vous et vos amis, nous expliquer que cette crise prouverait que nous devrions poursuivre dans les choix opérés depuis des années et que ceci mènerait à l'autonomie, la souveraineté et la puissance, je me dis que pas grand-chose n'a été compris. C'est en réalité tout l'inverse. Votre modèle économique nous promettant la mondialisation heureuse a finalement provoqué une dépendance malheureuse. Dépendance énergétique tout d'abord. Vous nous dites qu'il faut continuer d'investir massivement dans les énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires, pourtant intermittentes et en sous-production, pour garantir notre indépendance. Mais c'est évidemment tout le contraire. Avec vos lubies, vous nous conduisez à une catastrophe. Votre modèle, c'est l'Allemagne, et nous en connaissons le résultat. Des éoliennes qui ne tournent jamais, remplacées en urgence par du charbon et du gaz importés. Le combat antinucléaire que vous menez est donc, dans les faits, la cause numéro un de notre dépendance aux énergies fossiles et en premier lieu au gaz, notamment russe. Dépendance agricole ensuite. Alors que vous déclariez au Salon de l'agriculture que vous vouliez faire de notre région la plus éco-responsable de France, la crise actuelle vous ramène à la dure réalité. Le risque de pénurie mondiale et notre fragilité face au cours du blé, du pétrole et des engrais vous appellent à sortir de vos illusions. Depuis des années, nous dénonçons au Rassemblement national le détricotage de notre puissance agricole par une mise en œuvre de concurrence déloyale avec les agriculteurs du monde entier et avec des normes environnementales toujours plus délirantes. La souveraineté alimentaire sera le grand défi de ce 21e siècle. Il est donc urgent de revenir à l'objectif fondamental de l'agriculture, nourrir les Français. Et pour cela, il faut produire. Il est temps de supprimer la stratégie européenne de la ferme à la fourchette qui ne conduira qu'à baisser notre production de près de 20%, livrant nos étals au monde entier. À ce sujet, je vous rappelle que nous avions déposé un vœu demandant un moratoire immédiat sur cette feuille de route européenne lors de la dernière séance plénière que vous avez tous ici rejetée, y compris d'ailleurs les membres de la majorité présidentielle, alors que leur président candidat vient de rejoindre cette proposition de bon sens du Rassemblement national. Je vous l'accorde, son traditionnel en même temps vire au remake grossier du docteur Jekyll et de Mr Hyde, avec d'un côté le président Macron totalement soumis à Bruxelles et de l'autre le candidat Emmanuel qui se découvre défenseur de notre souveraineté. Cependant, si même lui commence à se rendre compte de la catastrophe qui s'annonce dans nos prés avec une telle politique, cela devrait vous amener à vous poser des questions. Notamment sur votre stratégie Néoterra, qui ne fera elle aussi qu'imposer des contraintes environnementales intenables pour nos agriculteurs et qui contribuera à diminuer notre production régionale. Il est plus que temps de tirer les leçons et de mettre un terme à cette aventure pseudo-écolo pour que la première région agricole de France participe entièrement à la reconstitution de notre souveraineté alimentaire. Nous vous présenterons d'ailleurs demain une motion allant en ce sens. Je souhaite également aborder la dramatique question de l'inflation du prix des carburants.
Avec un plein d'essence moyen qui représente près de 10% d'un SMIC, de nombreux néo-aquitains ne savent même plus comment ils vont réussir à payer leur plein. Certains hésitent même à sacrifier des dépenses essentielles, et notamment alimentaires ou énergétiques, pour le faire. Est-ce cela la France que nous voulons ? Devons-nous choisir entre son chauffage et son essence, ou entre son plein et ses courses ? Un choix cornélien, car la voiture est essentielle pour les déplacements de bon nombre de néo-aquitains. Derrière le volant, il y a des parents. Ces parents qui déposent leurs enfants à l'école, des salariés qui partent au travail, des apprentis qui rejoignent leur centre de formation ou des étudiants qui vont à la fac. Les néo-aquitains sont en train de payer chèrement la folie des taxes que le Rassemblement national dénonce depuis des années, tant de la part de l'État que du Conseil régional. Savent-ils que 60% de leur plein est composé de taxes ? Savent-ils, ces néo-aquitains, que sur le prix moyen actuel de 110 euros, 65 vont directement dans les poches de l'État et de la région ? C'est un véritable scandale que nous dénonçons ici. Là aussi, notre groupe vous présentera lors de cette séance une motion pour engager une nécessaire baisse durable des taxes sur les carburants. Ce choc de pouvoir d'achat que nous vous proposons est comprenant la suppression de la taxe facultative régionale sur les carburants, la suppression des hausses de la TICPE décidées par Emmanuel Macron et la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur ces produits est urgente. Ce sont des économies de 30 à 40 euros par plein qui sont en jeu ici. Avec nos deux motions pour rétablir notre souveraineté alimentaire et rendre du pouvoir d'achat aux automobilistes néo-aquitains, nous vous offrons l'opportunité de faire votre mea culpa, d'admettre vos erreurs que vous faites et admettre que vous faites fausse route depuis tant d'années. Et surtout, nous voulons enfin adopter une politique à la hauteur des intérêts et des attentes des néo-aquitains. Pardon, merci Edwige Diaz. Geneviève Darrieussecq. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon, je vous rejoins, notre groupe vous rejoint bien sûr dans l'hommage que vous avez rendu au peuple ukrainien, à sa force, à sa puissance, et bien sûr la solidarité pour ce peuple qui est sous les bombes du président russe depuis maintenant 3 semaines. Avec une crise qui a été en définitive assez subite, une guerre qui a éclaté de façon assez subite et qui a bien sûr des conséquences internationales, des conséquences européennes et des conséquences pour notre pays, mais qui a d'abord des conséquences pour le peuple ukrainien. Je voudrais quand même le rappeler ici, parce que si on veut mettre les curseurs au bon niveau, je pense qu'il faut déjà penser aux Ukrainiens, aux 45 millions d'Ukrainiens qui se dirigeaient vers la démocratie lentement mais sûrement, qui souhaitaient vivre en paix dans un régime avec des élections libres et qui s'étaient déterminés pour un avenir lointain certes, mais potentiellement intégrer l'Europe et faire partie de ces démocraties européennes que nous devons chérir. Parce que cette histoire nous rappelle quand même que nos démocraties sont en grand danger, que l'instabilité internationale est majeure, que plus aucun règlement international ou quasiment n'est respecté, que toutes les règles sont bafouées, que ce soit des règles de développement de type d'armement, mais que ce soit aussi des règles commerciales, que ce soit des règles sur les espaces maritimes qui sont bien souvent bafoués, et que nous sommes, tout cela génère une instabilité qui est parfaitement inquiétante. Oui, notre travail pour nos démocraties doit être impérieux, et vous avez parlé d'histoire, Monsieur le Président. Ce qui est dramatique, ce sont les falsifications et les réécritures de l'histoire, et nous avons vraiment un devoir majeur, un devoir à porter avec l'éducation nationale qui est véritablement de toujours prôner un récit historique de vérité et un travail de mémoire qui soit véritablement un travail de mémoire qui puisse rappeler à tous ce que les conflits du XXe siècle
ont eu comme niveau de destruction, mais dans leurs résultats, nous avons réussi à préserver nos démocraties. Et le fait que l'Union européenne aussi est une entité qui nous a protégés de tous les conflits pendant 70 ans, ou 80 ans maintenant, ou 70 ans. Et donc ce conflit ukrainien, bien sûr, russe, ce conflit lié à la Russie qui a attaqué ce pays démocratique et qu'était l'Ukraine, bien sûr, est une inquiétude majeure que nous devons porter. Alors oui, ce conflit a des conséquences dans les secteurs industriels, dans le secteur agricole, dans le secteur énergétique. Mais il y avait déjà, avant ce conflit, des questions qui se posaient à nous dans ces secteurs-là. Bien entendu, les matériaux, l'énergie qui était dont les coûts évoluaient, la rareté des matériaux et bien entendu sur le plan agricole toute l'évolution nécessaire liée à la protection de notre environnement, mais aussi à la dynamique agricole. Que nous montre cette crise, cette guerre? Elle nous montre. Nous ne sommes pas en danger sur le plan de notre souveraineté alimentaire française. Il faut arrêter. Ce qui est en danger, c'est le monde. Et ce sont particulièrement des pays pauvres qui n'auront plus de blé pour pouvoir se... Enfin, des pays pauvres. Certains pays pauvres, et notamment des pays africains, qui sont très, très dépendants de ces productions-là. Donc, je crois que notre vision, elle doit aussi aller au-delà de notre pays, au-delà de l'Europe, et voir les conséquences dramatiques que peut avoir la poursuite de ce conflit sur le plan de l'alimentation des humains sur certains continents. Comment, à notre échelle, comment en Europe, comment en France, faire en sorte de pouvoir potentiellement pallier à ces absences de production qui pourraient intervenir liées à ce conflit pour pouvoir justement régler ce problème mondial qui pourrait se présenter devant nous. Et je vous avoue que voir des famines est quelque chose qui, quand même, je crois, peut nous interroger à tous et faire en sorte que... nous soyons motivés pour augmenter la production au niveau de l'Europe de céréales, justement, pour pouvoir empêcher de telles situations. Alors oui, notre agriculture, elle doit continuer d'évoluer. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin sur ce qui a été dit. Oui, je continuerai de porter, bien sûr, le fait qu'il faut que nous ayons un travail fin qui n'est pas, à mon avis, démarré sur les sujets d'irrigation, puisque c'est une dépendance aussi de l'agriculture à l'eau. Rien ne pousse sans eau, nous le savons bien. Oui, nous devons diminuer les intrants, oui, nous devrons travailler sur tous ces sujets, mais pensons bien sûr à notre souveraineté nationale, à notre souveraineté européenne, mais pensons aussi aux répercussions de ce conflit sur l'alimentation des humains en général, qui me paraît un point d'interrogation particulièrement important. Alors, Monsieur le Président, bien sûr, vous avez dégagé une enveloppe pour venir en soutien du peuple ukrainien, et je pense que c'était une très bonne chose, bien entendu. Et vous avez mis en place une cellule de crise pour coordonner l'ensemble de ces initiatives. Nous serions preneurs d'un point si vous l'avez sur cette cellule de crise et sa mise en place, mais enfin de façon très simple. Bien sûr, nous avons cet impact sur l'économie de nos entreprises, mais cet impact, c'est l'impact de la guerre, mais qui est cumulé avec les impacts que nous avions auparavant sur l'augmentation du coût de l'énergie, qui bien sûr ne fait que s'amplifier avec ce conflit. Le deuxième impact, c'était bien sûr la difficulté d'approvisionnement en matériaux pour certaines entreprises. Et le troisième impact, qui est peut-être à venir et que nous ne devons pas ignorer, c'est la potentielle recrudescence de l'épidémie sanitaire, de la crise sanitaire en Chine, qui commence à refermer des territoires entiers.
Et nous n'avons pas là non plus de lisibilité, bien sûr, sur l'impact que tout cela pourra avoir. Donc, à notre niveau, alors au niveau national, bien sûr, l'État a pris sa part de responsabilité sur le plan de résilience qui a été mis en place et qui comprend plusieurs mesures, un prêt garanti par l'État qui est élargi pour aider les entreprises qui ont besoin d'un appoint de trésorerie, les entreprises qui peuvent solliciter un prêt à taux bonifié ou un prêt croissance industrie, et puis le dispositif d'activité partielle de droit commun qui s'ouvre aux entreprises qui voient leur activité ralentie, notamment du fait du conflit en Ukraine, ainsi que des subventions pour pallier aux effets de la crise énergétique. Mais au-delà de tout cela, comment nous, au niveau régional, pouvons-nous justement faire un point et sur l'état aujourd'hui de nos entreprises par rapport à ces différentes crises que j'ai évoquées, et comment pouvons-nous articuler un soutien complémentaire de celui de l'État, si c'est nécessaire, les trous dans la raquette, puisqu'on est toujours dans la région sur des dispositifs qui sont plus adaptés au secteur qui ne serait pas peut-être parfaitement identifié par l'État dans ses soutiens. Donc ça, c'est une vraie question et je pense que nous avons besoin de nous devons nous concentrer sur ces sujets pour la dynamique, parce que la dynamique économique est liée en ce moment. Le plein emploi, il n'y est pas encore, mais le taux de chômage a baissé de façon considérable. Donc nous sommes quand même dans une dynamique économique positive et nous devons poursuivre cela en étant vigilants sur la fragilité de certains secteurs, que certains secteurs pourraient voir venir avec cette crise ukrainienne. Bon, et puis enfin, nous allons parler de contrats de plan État-région, de contractualisation en général, contrats de plan État-région, contractualisation avec les territoires. Bon, je ne serai pas trop longue là-dessus, puisque nous allons avoir des présentations et sûrement un débat après. Je voudrais juste dire qu'en peu de temps, entre le plan de relance, l'accord de relance régional, ce contrat de plan État-région, plus les petites lignes ferroviaires jusqu'en 2030, c'est pratiquement 6 milliards d'euros entre la région et l'État. C'est donc quand même des politiques que nous pouvons mettre ensemble en œuvre assez considérables, avec des leviers assez considérables pour les territoires, et qu'il nous faut véritablement une stratégie. Et j'ai un peu de mal à voir pour l'instant, à voir la vision stratégique, mais nous en parlerons tout à l'heure. En tout cas, je crois qu'il faut que nous servions de ces leviers comme véritables leviers, bien sûr, pour travailler sur les énergies et les énergies renouvelables en particulier, décarbonées, pour faire en sorte que nous puissions aider à adapter notre économie à ces contraintes environnementales qui se posent à nous comme des contraintes sérieuses et que nous devons véritablement... il ne faut pas les vivre comme des contraintes, il faut les vivre comme des progrès pour faire en sorte que nous soyons résilients sur le plan environnemental. Mais également, bien sûr, nous avons la recherche, le développement qui nous aidera à passer ces caps difficiles, l'innovation et bien entendu tout ce qui est développement territorial et cohésion territoriale pour lequel, vous le savez, nous avons beaucoup d'appétence. Donc cette vision stratégique, il faut que nous la déclinions, il me semble, ensemble. Je la trouve un petit peu absente dans ces documents. Mais nous en parlerons tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire de façon peut-être un peu longue, mais retenir que ces crises s'imbriquent, que notre souveraineté, elle sera à l'échelle européenne, bien entendu, mais que nous devons penser aussi au reste des continents qui dépendent aussi de nos productions, même si
L'idéal serait qu'eux-mêmes produisent et eux-mêmes soient autosuffisants. Mais là, nous avons, c'est l'aide à la coopération. Je sais que certains dans cette Assemblée n'aiment pas beaucoup ce terme. En tout cas, je pense que nous avons aussi ce devoir de coopération avec tous ces pays. Je vous remercie. Merci, Geneviève Darrieussecq. Alain Bachet. Mes chers collègues, Monsieur le Président, si bien sûr nous saluons, comme l'ensemble des groupes, la solidarité qui se fait pour venir en aide au peuple ukrainien, il faut aussi souligner la solidarité citoyenne qui se développe dans notre pays et au-delà de nos frontières. Malgré tout cela, nous ne pouvons ignorer les dangers qui menacent le devenir planétaire si ce conflit venait à s'étendre ou durer. La voie pour échapper au pire, et je ne l'ai pas entendu encore aujourd'hui, c'est celle de la paix. C'est le message que notre groupe souhaite faire passer dans cet hémicycle. Nous le disons haut et fort. Nous ne mettrons pas fin à ce conflit meurtrier, à son cortège d'horreurs, en ajoutant des larmes aux larmes, des armes aux armes, en plaidant pour une extension du conflit, ou pire, à son internationalisation. C'est un peu compliqué. Décidément, les êtres humains que nous sommes ont du mal à tirer les leçons du passé. Dans ce contexte, il faut saluer des voix qui se sont exprimées dernièrement. Je pense à celle de M. Védrine, celle de M. De Villepin, et une voix un peu plus surprenante qui est celle de M. Sarkozy, qui ont dit que G7, G20, autant, tout ça, il y avait plein de choses à refaire. Et Madame la ministre, je souhaite vous répondre. Pour nous, il n'y a pas de guerre subite. Ce n'est pas une guerre subite. Utiliser ces mots m'ont choqué. Stop à la guerre devrait être le leitmotiv de chacune et chacun d'entre nous. La guerre de Poutine contre l'Ukraine a des conséquences planétaires. Des dizaines de millions de personnes vivant à des milliers de kilomètres du champ de bataille pourraient souffrir et mourir de faim dans les prochains mois. Nous le savons, la Russie et l'Ukraine pèsent lourd au niveau des exportations mondiales de céréales. Il ne faudrait pas en plus que certains États, entreprises ou particuliers profitent de la guerre pour s'enrichir comme d'autres ont profité de la pandémie pour s'enrichir. Je vous renvoie simplement aux écrits publiés dans la presse régionale du samedi 12 mars. La spéculation des cours des matières premières et de l'énergie n'est ni un mirage ni un fantasme. Les canons tonnent et les cours flambent à la bourse de Chicago. Il faut dire stop à cette escalade meurtrière et comme nous venons de le dire, de vous le montrer, quelle connerie la guerre, paix dans le monde. En ce 21 mars, journée internationale de lutte contre la discrimination raciale, nous voulons et pouvons, dans cette enceinte et dans notre pays, faire résonner les voix de la paix. Bien sûr, nous approuvons sans réserve l'intervention régionale d'urgence humanitaire. Nous pensons que les élus que nous sommes peuvent être utiles dans l'obtention d'un cessez-le-feu immédiat et ce faisant peuvent faire entendre la voix de la raison. D'ailleurs, nous proposons qu'un fonds d'aide aux réfugiés et pour tous les réfugiés soit prévu tous les ans pour constituer une réserve de solidarité en leur direction. Comme l'écrivait Robespierre, toute spéculation mercantile aux dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic, c'est un brigandage et un fratricide. Alors oui, quelle connerie la guerre, que la paix soit réellement mondiale. L'économie de l'armement pose effectivement une grande question. Je nous rappelle que dans la mandature dans laquelle j'ai siégé de 2010 à 2015, avec notre camarade Isabelle Laroule, nous avions fait l'intervention justement sur l'industrie de l'armement en l'ancienne région Aquitaine et nous avions fait des propositions pour qu'effectivement on puisse travailler à produire plus la paix que des outils et des engins de guerre. Il y a encore quelques mois, en pleine crise sanitaire, nous avons eu l'occasion d'affirmer dans ces murs, nous avions également exprimé la nécessité de changements radicaux à opérer. Nos aspirations en sortent encore aujourd'hui plus renforcées, plus vraies aujourd'hui. Il y a besoin de revoir nos modes de vie collective, qui plus fondamentalement renvoient à notre fonctionnement économique et politique global.
Il est urgent de prendre des décisions dans ce sens. D'ailleurs, le sixième rapport du GIEC, qui a été rendu public il y a quelques semaines, vient nous le rappeler. Sans vouloir entrer dans le détail de ce rapport, nous voulons simplement rappeler qu'il préconise de concentrer 6% du PIB, soit 140 milliards d'euros par an, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Nos politiques doivent pouvoir s'appuyer systématiquement sur ces préconisations. À ce titre, nous devons œuvrer dans nos décisions afin de garantir sécurité et souveraineté, qu'elles soient alimentaires, énergétiques ou de santé. Il s'avère impératif de mettre en application nos dernières orientations contenues dans Néotera et ainsi d'approfondir nos ambitions en la matière, notamment dans ce qui fait notre accompagnement économique sur les projets territoriaux. Nous voulons, au regard de la situation, pointer plusieurs directions dans lesquelles nous pouvons œuvrer pour aller vers des changements radicaux. J'ai parlé il y a quelques instants de souveraineté alimentaire. Au regard de la situation politique, mais aussi des enjeux climatiques, il s'impose de réaffirmer avec beaucoup de force plusieurs de ses priorités. Cela suppose, sans aucun doute, de rompre avec l'agriculture intensive pour aller vers la suppression des pesticides, la suppression des antibiotiques dans les élevages. Ainsi, par exemple, les pratiques, hélas, largement en vigueur pour l'élevage avec la claustration ne peuvent nullement être compatibles avec la préservation de notre environnement et de notre santé. Car nous mesurons aujourd'hui l'échec des politiques qui ont été portées par les syndicats majoritaires et la majorité des chambres d'agriculture et le CIFOC soutenu par les divers gouvernements. Je pense notamment à la crise de la grippe aviaire qu'a connue le département des Landes. Raison doit être donnée à ceux qui défendent l'élevage en plein air, un élevage sain et de bon sens correspondant simplement à la vie animale et qui est le seul garant de qualité, y compris sanitaire. Ces mêmes problématiques se posent pour notre souveraineté énergétique. Nous le mesurons avec l'explosion des coûts énergétiques pour chacune et chacun d'entre nous, mais aussi ce sur quoi intervient la région, à savoir le coût des fluides que nous devons payer, par exemple, dans les lycées. Pour rompre avec Total Energy et donc aller vers une production énergétique décarbonée, cela demande effectivement d'avoir du courage pour une diversité d'un mix énergétique avec une large part pour l'énergie nucléaire, mais également des politiques volontaristes portées par nos collectivités dans le sens du développement de la géothermie et du photovoltaïque sur les bâtiments, sans oublier l'hydraulique. De cette manière, nous ne croyons ni vertueux ni original les projets de photovoltaïque sur les terres agricoles et les terres forestières. Je pense au projet qui est aujourd'hui en discussion, le projet Oriseo à Socats. Il nous faut également travailler à notre indépendance sur les productions de santé. Là aussi, la région a un rôle important à jouer. Il est quand même problématique que dans le pays de Pasteur, nous n'ayons pas été en capacité de produire un vaccin pour lutter contre la Covid et que bon nombre de médicaments soient produits à l'étranger, notamment en Chine. Considérant toutes ces problématiques, nous pouvons, nous, en tant qu'institution régionale, impulser ces changements radicaux. Et si pour nous, nous l'avons dit à la dernière session, le traité de Maastricht est fondamentalement nocif et d'autant plus caduque aujourd'hui, il nous faut également rompre avec les traités de libre-échange qui n'ont comme seule vertu qu'appauvrir celles et ceux qui produisent, de concentrer et de diminuer la diversité avec comme corollaire une production de moindre qualité. Sans parler de cette course folle et vaine qu'est la mise en concurrence. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, au regard de l'actualité et de ce que je viens d'aborder, notre pays, au travers de ses valeurs républicaines, pour une santé universelle, pour la paix, l'égalité a un rôle singulier à jouer. Il y a urgence que les armes se taisent. Nous voulons que pour la région Nouvelle-Aquitaine, ce 21 mars soit placé sous le signe de l'appel à la paix. Stop à la guerre. Merci Alain Bachet. Je passe maintenant la parole à Jean-Luc Plaise. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, le groupe ne peut que s'associer à différentes interventions, des différents intervenants, notamment Alain Bachet et vous-même, Monsieur le Président, et Nicolas Thiry, pour 90% de son propos, et on aura l'occasion de débattre sur les 10% de divergence plus tard en fonction de l'ordre du jour. Le contexte
actuel est empreint de gravité avec une triple crise. Vous les comptabilisez au nombre de quatre, Monsieur le Président. Moi, je voudrais en rassembler trois ce matin. Crise sanitaire, dont on ne sort pas. Crise démocratique annoncée dans un contexte électoral inédit, car historique, mais l'histoire de l'abstention va malheureusement se répéter. Et crise géopolitique avec le retour de la guerre en Europe, et ce n'est pas neutre de le dire, en 2022. C'est sur ces trois crises que je souhaiterais capter votre attention quelques minutes. Elles ont, comme ça l'a été signalé, beaucoup de choses à se dire entre elles. Elles sont imbriquées les unes avec les autres. Et elles ont aussi en commun de nous interroger sur le monde que nous souhaitons et la région, y compris la région que nous souhaitons. Un, la crise sanitaire qui, déjà hier, nous demandait d'inventer le monde de demain. Monde qu'on continue de détruire, pas simplement avec les armes, et dont on ne laissera rien demain à nos enfants. Il n'y a qu'à lire les rapports successifs du GIEC, qui sont à chaque fois plus alarmants les uns que les autres. Deux, la crise démocratique, qui devait cesser avec l'ancien monde, monde politique qui poursuit son aveuglement, et, chers collègues, pour ceux qui partagent ma peine, j'ai mal à ma gauche. Trois, enfin, crise géopolitique, qui potentiellement menace le monde avec des relents de guerre froide ou d'esprit munichois. Effectivement, la guerre n'est pas subite, on pouvait la voir venir. Mais cette crise géopolitique, si elle pouvait nous faire espérer quelque chose, elle nous permet d'avancer sur l'idée d'une Europe, une Europe des peuples, une Europe de la défense. Au moins, avançons sur la construction européenne, une Europe fédérale qui appuierait le rôle et la place des régions et qui, paradoxalement, pourrait accélérer la décentralisation. À ces crises, Monsieur le Président, chers collègues, la région peut répondre par l'action. D'abord avec l'aide et le soutien aux entreprises post-Covid, qui vivent des heures délicates et dont la complexité est aujourd'hui augmentée par la crise en Ukraine, crise géopolitique qui peut très bien développer une forme de crise économique. Ensuite, lutter contre la crise sociale qui pourrait être une autre conséquence de cette crise géopolitique. Ici, l'urgence sociale rejoint l'urgence climatique. Une seule façon d'y répondre, accélérer la transition énergétique avec un franc et courageux développement de toutes les formes d'énergie renouvelable. Je vous ai entendu, Monsieur Florian, appeler cela aussi de vos voeux. J'aimerais vous voir défendre les projets de méthaniseurs et d'installation d'éoliennes avec nous demain. Courageux, oui. Développement de toutes les formes d'énergie renouvelable, c'est courageux, oui, quand on évoque les éoliennes et les méthaniseurs, par exemple, mais dont on ne sait pas se passer si on veut véritablement à la fois équilibrer le mix énergétique pour des raisons d'urgence climatique et à la fois éviter aux Français d'être à la merci des hausses de prix sur des énergies fossiles vendues par des dictatures. Enfin, un dernier mot, puisque nous ne vivrons justement pas en dictature, aux urnes, citoyens, votez blanc, votez pour qui vous souhaitez, mais votez car le vote n'est plus aujourd'hui seulement un droit, mais une obligation par solidarité avec les peuples qui en sont privés, par solidarité au peuple ukrainien, dont la liberté est menacée, mais aussi par solidarité au peuple russe qui est privé de cette liberté. Et j'aimerais, après avoir entendu certaines choses qui font mal aux oreilles ce matin, ajouter solidarité aussi au peuple syrien, yéménite, et les Syriens notamment qui défilent avec des drapeaux ukrainiens sur les pays d'asile. Ce sont des réfugiés politiques et ces notions sont l'asile et les réfugiés politiques indistinctement de leur couleur de peau. C'est une valeur de la République et une valeur de la France, j'aimerais le rappeler. Merci. Merci Jean-Luc. Et pour clore le tour des différentes formations, je donne la parole à Éric Sergiacomo. En excusant Martine Pinville, qui malheureusement a croisé le Covid et à qui on pense aussi. Serge. Effectivement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais en tout premier lieu affirmer tout notre soutien au peuple ukrainien qui subit des crimes de guerre depuis plusieurs semaines. Le régime russe, sous l'impulsion mortifère de son président Vladimir Poutine, est en train de démontrer au reste du monde sa face la plus sombre, celle d'un régime qui a choisi la guerre, celle d'un président cynique et aux relents dictatoriaux qui, espérons-le, devra répondre de ses crimes envers un peuple devant un tribunal à la sortie du conflit qu'on espère le plus court possible. La liberté n'est jamais une chose acquise. Il nous faut sans cesse clamer haut et fort et défendre nos valeurs qui sont les nôtres, ces valeurs républicaines, humanistes, européenne, universelle, progressiste, et défendre ainsi nos libertés.
La liberté, c'est aussi la liberté de manifester, de créer, d'affirmer des opinions divergentes, de critiquer, de protester et aussi d'informer. Qui plus est, à l'heure où le régime russe cadenasse les médias et verrouille l'information de la manière la plus brutale qui soit. Face à cette guerre et dans un contexte mondial sans précédent, nous devons toutes et tous agir, chacun à notre place, en faisant preuve d'une certaine humilité. En tant que vice-président du groupe majoritaire, je me félicite de la solidarité régionale qui a été mise en place dès le début du conflit et des décisions prises rapidement par notre collectivité afin d'apporter des aides humanitaires dans l'urgence. En particulier, l'enveloppe de 300 000 euros votée afin de contribuer au fonds d'action extérieure des collectivités locales et pour soutenir les ONG dans leurs actions en faveur de l'accès aux soins de fourniture médicale. Comme vous l'avez souligné en introduction, Monsieur le Président, plusieurs initiatives ont été lancées et d'autres seront proposées dans les prochains jours pour que cet accueil soit digne et solidaire. À ce propos, comme vient de le faire mon collègue précédemment, je souhaite aussi dire qu'il n'y a pas différentes catégories de réfugiés, qu'ils soient syriens, qu'ils soient afghans. Il y a des gens qui subissent la guerre et qui ont droit au droit d'asile et qui ont cette possibilité d'être réfugiés. Accueillons-les dignement, quels que soient leurs horizons. Cette crise géopolitique impacte plusieurs secteurs qui nous préoccupent davantage, nous, régions, dans nos domaines de compétences. En particulier le secteur agricole, qui est celui qui devrait subir les plus lourdes conséquences du conflit. Pourvoyeurs agricoles de premier plan avec la production de blé, de maïs, d'orge ou de tournesol, l'Ukraine, comme la Russie, s'était imposée dans le paysage agricole mondial. Le blocage des exportations engendre une hausse des prix des céréales et la production animale se trouve donc en première ligne, principale victime de cette hausse. Face à la guerre en Ukraine, tous les agriculteurs ne seront pas logés à la même enseigne. En attendant de renforcer en matière de céréales et de protéagineux notre souveraineté alimentaire, il est impératif de trouver des solutions, notamment par la mise en place de mécanismes de solidarité entre nos filières. À ce titre, je souhaite relayer la proposition pragmatique de notre collègue député européen Éric Andrieux, celle de réorienter temporairement les aides de la PAC destinées aux grands céréaliers vers les éleveurs qui prennent de plein fouet la hausse de leurs coûts de production afin de leur assurer un revenu minimum. Prouvons qu'en agriculture, la solidarité n'est pas un vain mot. Permettez-moi de compléter cette proposition par son extension à notre filière avicole. Depuis décembre dernier, cette filière est durement touchée par le retour de la grippe aviaire pour la deuxième année consécutive et la quatrième en 6 ans. L'ampleur de cette crise dépasse déjà celle de l'an dernier. Cette saison, depuis le premier cas détecté fin novembre, 792 foyers ont été comptabilisés dans des élevages selon le ministère. 4 millions de volailles ont été euthanasiées dans le sud-ouest et environ 10 millions dans les Pays de Loire. Les éleveurs sont anéantis. Leurs efforts financiers et physiques pour clôturer s'avèrent un échec. Leurs élevages ont été entièrement dépeuplés. Il convient maintenant de proposer des alternatives d'intérêt général pour un élevage durable. À ce titre, je tiens à rappeler tout l'engagement de la région Nouvelle-Aquitaine sur le développement d'un vaccin. Je tiens aujourd'hui à saluer la mobilisation sur ce dossier sanitaire du collectif Ouvre ton bec. Permettez-moi d'associer à ces propos une collègue plus touchée que les autres, notre collègue Marilyn Béris, dont l'exploitation n'a pas été épargnée non plus par l'influenza aviaire, et ce pour la 4e fois en 6 ans. Cette guerre rebat les cartes sur de nombreux plans, mais il est impératif de ne pas tomber dans l'instrumentalisation de la guerre par un dévoiement de la notion de souveraineté alimentaire. La crise ukrainienne ne mérite en rien de remettre en cause les enjeux écologiques et environnementaux. Et sur ce point, la région Nouvelle-Aquitaine a été en ce sens visionnaire en lançant la feuille de route Néoterra fin 2019. À l'heure où les réflexions autour des énergies prédominent et demeurent préoccupantes. La région ambitionne d'être un territoire industriel leader sur la production d'énergie verte. La mise en place de filières européennes de stockage des batteries, secteur clé pour l'utilisation massive des énergies renouvelables, en particulier pour le marché de la mobilité électrique.
C'est aussi le soutien à la production de chaleur renouvelable, bois énergie, géothermie, solaire thermique, réseau de chaleur. Aussi, le territoire régional est devenu le premier producteur d'électricité solaire en France. Il est important de considérer le changement climatique et le changement environnemental comme des problématiques croisées et de trouver des solutions conjointes. La Nouvelle-Aquitaine est la seule région en France à décliner des enjeux planétaires en matière de climat et d'environnement en enjeux locaux. À écouter certains groupes, j'ai conscience que cela ne suffit pas. À écouter d'autres, il semble que c'est une lubie. Pour d'autres, il faudrait le mettre en parenthèse. Non. Néoterra permet de répondre aux enjeux soulevés par cette crise et de renforcer progressivement la contribution de notre région aux équilibres alimentaires mondiaux. Notre volonté est bel et bien d'être une région résiliente qui fait face aux grands enjeux actuels, notamment climatiques. Et nous sommes sur ce chemin depuis le début et je tiens à féliciter le déterminisme de l'exécutif, de son président Alain Rousset et de Guillaume Rioux, vice-président en charge de ce domaine. Au-delà de l'horreur de la guerre et ses conséquences humanitaires, ce conflit a déjà des répercussions significatives sur l'économie mondiale et par ricochet sur l'environnement économique de Nouvelle-Aquitaine. La hausse spectaculaire du prix des énergies, j'en parlais, des matières premières et de certaines productions agricoles, comme évoqué, va avoir des conséquences à court et long terme pour bon nombre d'acteurs. C'est même l'ensemble du commerce et les chaînes d'approvisionnement qui sont en train d'être impactées avec une pénurie de certains composants. Cette crise met en lumière la nécessité de relocaliser notre industrie afin d'assurer une souveraineté économique. Cette réflexion est en lien direct avec notre feuille de route Néoterra, grâce à laquelle nous avons déjà anticipé un certain nombre de ces problématiques, en encourageant notamment la transition des entreprises, l'innovation, le développement d'un nouveau mix énergétique et des mobilités propres. Après la crise des Gilets jaunes, qui a bouleversé en profondeur notre pays, en révélant des fractures sociales et territoriales, ce nouvel épisode va de nouveau mettre en exergue les souffrances de cette France périphérique, première victime de la hausse des prix et de l'énergie. Dans ce contexte social qui va se tendre, notre responsabilité durant la campagne présidentielle et législative qui s'ouvre n'est pas de faire un concours Lépine aux solutions simplistes et de circonstances, mais d'apporter des solutions concrètes pour répondre à l'urgence, comme le fait notre région et son président, tout en anticipant les conséquences pour l'avenir. Merci. Merci. Merci Serge. Juste quelques mots en... Éric, pardon, je ne sais pas pourquoi. Oui. Non mais je ne referai plus, Serge. Éric. Juste quelques mots de rappel. Un, je rappelle que nous n'avons pas de pouvoir réglementaire au niveau de la région, sauf peut-être un peu à travers le SRADET. Et je pense que le travail qui a été fait est plutôt vertueux parce qu'on a été sur l'étalement urbain très précurseur en France. Deuxièmement, que nous ne pouvons pas séparer, personne ne le souhaite, ne le défend, ne le dit, à la fois la crise sociale et démocratique, bien sûr, la crise géopolitique, la crise sanitaire et la crise climatique. La société, et notamment la jeunesse de notre société, attend des mesures courageuses. Pour autant, tout n'est pas à notre main. Je pense notamment aux discussions que nous avons eues la semaine dernière dans les réunions de crise que nous avons tenues avec Jean-Pierre Reynaud pour l'agriculture, avec Andréa Brouille sur l'industrie. Nous étions par exemple avec un groupe qui est installé à Parthenay, le groupe Lizzie Aerospace, qui nous disait les difficultés considérables d'approvisionnement en titane, en nickel, en aluminium,
aussi. C'est un groupe qui est en croissance, qui pourrait avoir une croissance de 65%, qui a un projet de plusieurs centaines de recrutements dans le nord de la grande région, mais qui a des difficultés d'approvisionnement, même si ces approvisionnements ne sont pas rompus, comme le sont les approvisionnements en énergie. Alors, bien entendu, on pourrait dire que on condamne ces approvisionnements en énergie. Je crois que cela a été écrit par mille et un spécialistes dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut, d'ici la fin de l'année, dire à nos concitoyens qu'ils vont non pas simplement passer de 20 à 19 degrés dans leur logement, mais parfois d'avoir une rupture d'approvisionnement en gaz? Qu'est-ce qui se passerait? Nous le voyons aujourd'hui avec l'augmentation du pétrole dans certains lieux. Ce serait une révolte. Et nous reviendrions en arrière par rapport aux souhaits, notamment que Nicolas Thierry a, et je peux en partager le sens, mais ce serait un pire retour en arrière et ça bloquerait toute politique de transition. Donc il faut savoir répondre à cette dépendance, qui est moins importante d'ailleurs pour la France, compte tenu du nucléaire, qu'il y a pour l'Allemagne, puisque notre dépendance au gaz russe est de 20%, l'Allemagne est autour de 50%. Donc il y aura naturellement, mais ce n'est pas à notre main, une réflexion sur le nucléaire. Le seul apport que nous pouvons apporter, c'est de travailler, et nous l'avons fait dans le Blayais, à sa sécurisation. La sécurisation humaine, notamment, et la sécurisation de fonctionnement. Sur le plan de l'agriculture, aujourd'hui, Guillaume Rioux me le rappelait, nous avons un excédent de production de blé. Nous en consommons 20 tonnes, 20 millions de tonnes, pardon, et nous en produisons 35 à 40 millions de tonnes. Alors à partir de là, que faisons-nous? Ce blé va au Maghreb, va au Sénégal, en Casamance. Est-ce qu'on dit on arrête avec la fermeture du port d'Odessa et l'apport de ces céréales à destination de ces pays qui sont souvent en difficulté et pour lesquels on voit régulièrement des émeutes de la faim, est-ce qu'on dit qu'on arrête de livrer du blé? Poser la question, c'est y répondre, d'une certaine manière. Pour autant, il faut se poser la question sur notre dépendance que nous avons à la Russie et à l'Ukraine, sur le tournesol. Nous importons 7 millions de tonnes de tournesol, à la fois pour faire de l'huile, et nos amis espagnols sont en train de souffrir plus que nous, mais le port de Bordeaux a des problèmes d'approvisionnement, qui a une usine de trituration à la fois pour fabriquer de l'huile, mais aussi pour fabriquer des tourteaux servant à l'alimentation animale. Et j'avoue que je ne peux qu'espérer que la guerre s'arrête, que les troupes, j'allais dire les troupes allemandes, les troupes russes se retirent d'Ukraine pour que l'Ukraine, qui n'a qu'un mois pour semer, le mois d'avril, puisse semer ses emblavures en céréales. Le problème, c'est celui-là. Mais, encore une fois, je n'oppose pas ces quatre crises que nous vivons simplement si nous voulons voir plus loin, si nous voulons dépasser ces quatre crises, si nous voulons améliorer notre démocratie, si nous voulons être plus souverains sur le plan technologique. Oui, technologique. Regardez, nous dépendons aujourd'hui à 98% des cellules photovoltaïques chinoises.
à 95% des principes actifs des médicaments venant de Chine ou d'Inde. Ça suppose que nous fassions des sauts technologiques en électronique. Ça suppose que les rendements passent de 20 à 30 ou 35%. Ça suppose qu'on réduise, par rapport aux préoccupations qu'évoquait Alain Bachet tout à l'heure, qu'on réduise les surfaces occupées. Nous n'arriverons pas à être autonomes dans une production renouvelable si nous n'avons que les toitures. Tout ça a été documenté, calculé. Par contre, il ne faut pas qu'à n'importe quelle condition, et c'est ce que la région a exprimé sur le grand projet de Cesta, ça ne peut pas être une couverture de 1000 hectares. Ça doit être des panneaux verticaux ou des trackers. Il faut installer une agriculture dans ces panneaux, au milieu de ces panneaux, peut-être des fruits rouges, parce que la terre y convient parfaitement, et notamment, pardon d'entrer dans ce détail, les myrtilles. Nous sommes premier producteur en France de myrtilles. Un peu de framboise aussi, mais avec les monts du Lyonnais, qui est ma région d'origine, donc je ne veux pas oublier quand même ma région natale. Donc, il y a un travail à faire. Quelle est la solidarité qu'on peut apporter à nos éleveurs ? D'abord, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une solidarité à l'intérieur du monde agricole. Parce que d'un côté, les céréaliers vont voir le prix du blé multiplié par 3, et les pouvoirs publics ne peuvent pas seuls répondre à cette explosion du prix des céréales, et donc de l'alimentation animale. Donc il faut inventer une solidarité. Par contre, je suis d'accord, je l'ai dit l'autre jour à la réunion des présidents de groupe, et je m'étais exprimé en ce sens auprès de l'Europe et auprès des responsables agricoles, que nous remettions en culture les friches. Mais pas sur n'importe quelle culture. On en a discuté avec le président de la Chambre régionale d'agriculture. De telle sorte que nous puissions d'abord penser à nos éleveurs. Sur la grippe aviaire, nous avons tardé, l'État a tardé à vacciner. Et certaines organisations professionnelles ont refusé pendant trop longtemps la vaccination. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y aura 2 expérimentations de 2 fois 6 mois. Le ministre de l'Agriculture me dit « je suis d'accord avec toi pour amener ça à 6 mois ». Sauf que c'est les instances indépendantes qui demandent de faire une expérimentation que l'on connaît partout ailleurs. Nous avons une grande entreprise qui travaille sur le vaccin sur la grippe aviaire, qui a fait des expérimentations dans tous les pays et qui fonctionne. Mais il faut aussi que du côté des organisations professionnelles, on arrête de densifier la production de gras en chalosse. Parce que la proximité des élevages entraîne immédiatement une diffusion du virus qui est d'une puissance incroyable. Et il faut qu'on se préoccupe des maladies émergentes demain. C'est pour ça que je vous proposerai dans une prochaine assemblée plénière, lorsqu'on aura avec les responsables qui vont bien, notamment Gilles Boeuf, le professeur Denis Malvy, avec Gérard Blanchard, etc., une plateforme sur la prévention et la préparation des futures pandémies. Ce qui m'inquiète sur le permafrost, c'est pas qu'on y produise de l'agriculture, c'est ce qui va sortir en termes de pathogènes de ces terres gelées et gelées en profondeur. C'est ça qui est le risque. C'est là où est le risque. Sur les énergies renouvelables, géothermie, bien sûr. Repensons aussi ces puits de pétrole qui ont été arrêtés. On le fait dans les Landes pour chauffer des serres. On peut le faire peut-être ailleurs. Sur les steppes, c'est-à-dire comment on remonte l'eau pour la returbiner, parce que l'énergie hydroélectrique, c'est quand même l'énergie la plus propre. Encore faut-il faire les ouvrages qui permettent de produire. Parce qu'on ne peut pas à la fois être contre les barrages et pour les énergies renouvelables. Donc
c'est quelque chose, et notamment on a un step à développer ou à relancer en Corrèze, à Rodenas, que l'on va essayer de rediscuter. Je pense que les éoliennes offshore flottantes sont à développer et de réfléchir au modèle économique, parce que on peut pas caricaturer les problèmes sur les technologies du futur. L'éolienne est une technologie du futur. L'électronique est une technologie qui doit faire des sauts technologiques. La fabrication des médicaments biosourcés, comme nous l'avons commencé ici à partir de la résine des pins, est un saut technologique. Donc, n'ayons pas dans nos discours une caricature. J'entends ce qu'a dit Nicolas Thierry sur Total. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire à Total et à Saft, votre production de batteries qui permet de décarboner l'automobile, on arrête d'accompagner tout ce qui va bien dans ce domaine-là, et notamment de passer les batteries à électrolyte liquide à des batteries tout solides. Est-ce qu'on refuserait à une entreprise, Calcia, qui va investir 300 millions d'euros, qui fait 3% des dégagements de gaz à effet de serre de la région, de prendre des nouvelles technologies pour diminuer ces rejets de gaz à effet de serre? Il faut savoir redéfinir le progrès, sûrement. Mais en même temps, il ne faut pas l'occulter. Quant à ceux qui pensent que l'eau, on peut la prélever, la stocker, l'utiliser sans aucune conditionnalité, ils se trompent. Aujourd'hui, il y a 220 millions de mètres cubes de déficit dans les périodes d'étiage. C'est-à-dire au moment où les plantes en ont le plus besoin. Donc il faut que nous ayons une façon de la stocker originale et vérifiée. Prélevée dans le sous-sol alors que les nappes, il y a une étude du BRGM qui arrive, nous montre leur fragilité. Prélever de l'eau qui ne soit pas de bonne qualité. Nous avons fait un congrès ici même, il y a 3 semaines, sur l'état de l'eau sur le littoral. Alors on a découvert des microalgues et des bactéries qui ont un potentiel assez extraordinaire, mais nous avons découvert aussi, n'est-ce pas Gérard, la pollution. Donc il faut que nous travaillions avec des eaux de surface. Il faut que nous permettions à de jeunes agriculteurs de s'y installer, y compris en culture maraîchère. Et il faut bien entendu que l'eau potable soit notre priorité. Mais il faut travailler sur la sobriété. Oui, sur la sobriété. Mais est-ce que la sobriété, c'est de passer, je le disais tout à l'heure, à des maisons non chauffées? Ça entraînerait une révolte totale. Et imaginons une personne âgée de 90 ans dont la maison n'est pas chauffée à la bonne heure, qui est seule chez elle. C'est impensable. Impensable. Même 19 degrés. Donc il y a tout ce travail à faire sur nous-mêmes. Oui, il y a une révolution écologique à mener. Cette révolution, elle doit être menée pied à pied. Il ne faut jamais reculer. Jamais. Oui, il faut sortir des engrais de synthèse et des pesticides de synthèse. Et nous sommes la seule région à avoir engagé ce combat. Mais il faut fournir des alternatives à nos agriculteurs. Des alternatives soit agronomiques, notamment avec un plan protéines, soit avec du biosourcing ou du biocontrôle, ce que nous avons constitué. Il nous manque les homologations au niveau national. Faisons attention aussi que les problèmes d'approvisionnement ne datent pas de la guerre en Ukraine. Ils datent d'avant. C'est pour ça que l'Europe ne peut qu'être
notre seule chance, dire qu'on va refermer nos frontières uniquement au niveau de la France et de pouvoir nourrir, embaucher, éduquer, aménager nos territoires et bien entendu une vue de l'esprit et une fake news. Dire aujourd'hui, la région, il faut que vous redonniez aux consommateurs la TICPE. Cette TICPE Grenelle, c'est la seule dont nous avons la main. Cette TICPE représente 60 millions d'euros. 60 millions d'euros. D'accord ? Soit une grande partie du budget de l'éducation. Est-ce qu'on arrête un tiers du budget de l'éducation ? Est-ce qu'on arrête la plupart de nos TER ? Est-ce qu'on arrête la politique agricole ? Parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Ça visait à exploser nos dépenses, mais à baisser nos recettes. Alors moi, je veux bien qu'on change, qu'on propose de changer de priorité, mais en même temps, augmenter nos dépenses et baisser les retraites. Alors, j'ai dit depuis tout le temps, la TICPE Grenelle, pour l'essence, c'est 0,0073 euros. C'est l'épaisseur du trait dans le schéma que j'ai sous les yeux. Pour le gasoil, c'est 0,0135 euros. Donc c'est des chiffres qui seraient complètement invisibles alors que les autres fiscalités peuvent avoir un effet notable. Il n'est pas possible aujourd'hui que je vous propose ce genre de décision. À la question de Geneviève Darrieussecq, que faisons-nous aujourd'hui et comment pouvons-nous renforcer cela ? Alors, encore une fois, on n'est pas un lander et je le regrette. Et il faut qu'on travaille avec toutes les collectivités, à la fois pour accueillir, loger, nourrir, éduquer, apprendre le français. Encore faudrait-il que dans les adresses des préfectures et des différentes structures pour déposer les dossiers, ce soit écrit en ukrainien. Aujourd'hui, même le texte de la SNCF pour les transports gratuits est écrit en français. Mais en tout cas, nous allons dans une deuxième phase, accompagner les ONG, et je proposerai à la commission permanente des dotations pour Télécom Sans Frontières, Pompiers Sans Frontières, la Croix-Rouge, les ONG qui nous ont sollicités. Nous allons avoir, avec une mission qui se rendra sur place, une action spécifique sur le plan de la santé, puisqu'il y aura des médecins qui s'y rendront au niveau de la région de Galați, en Roumanie, qui accueille aujourd'hui des dizaines de milliers de réfugiés. Et puis regardez comment nous pouvons, avec nos lycées, nos profs, les profs de français langue étrangère, pouvoir accompagner les réfugiés venus d'Ukraine. Mais en tout cas, je le dis, il y a une seule catégorie de réfugiés. Et c'est toujours une forme de guerre qui les jette hors de chez eux. On l'a bien vu sur la Syrie, sur le Yémen. On le voit sur l'Ukraine aujourd'hui. On le voit du Liban. Et de toute manière, la famine, c'est une forme de guerre. Et si la France ne respecte pas son histoire, et c'est les plus grandes heures de son histoire, je pense qu'elle ne sera pas digne d'elle-même. Mais je sais que tous nos concitoyens
ont cette générosité chevillée au corps. Je vous remercie. Nous passons maintenant... On me demande de vous informer. Déjeuner, 13h30. Attends, on a fait fort ce matin. Mais ça en valait la peine, je crois. Donc le quorum est atteint. Est-ce que Julien Bazus... Où est Julien Bazus? Est-ce que Julien veut bien être secrétaire de séance? Je veux bien, Président. Merci. Alors, compte tenu des discussions avec l'État et de tout le travail, j'en remercie mes services, il y a 3 dossiers qui ont été transmis dans le cadre de la procédure d'urgence. Le 1, le 3 et le 9. Est-ce que l'Assemblée donne acte de cela pour passer au débat? Je vous remercie. Alors, collaboration des présidents de groupe, message personnel de Marie-Pierre Larrey. Le président de groupe, je lis dans le texte, qui s'absente momentanément en séance, délègue une personne sur place ou en visio pour énoncer clairement le vote de son groupe. 2. Les votes doivent être exprimés clairement pour éviter toute contestation. Alors, je rappelle les règles de nos obligations déontologiques. Là aussi, on devrait simplifier parce que je trouve que c'est devenu... Tout conseiller régional ayant un intérêt avec un dossier se déporte, quitte la réunion et figure dans le résultat du vote avec la mention « non-participation ». En amont, il n'aura donné aucune instruction ni aux conseillers régionaux ni à l'administration, n'aura émis aucun avis sur le dossier concerné. Je trouve qu'à un moment donné, ce type de texte signifie que l'élu est réduit à néant. Mais enfin, ni pris part à l'instruction, ni au suivi, ni aux réunions préparatoires. Je ne sais pas si ça s'appelle la démocratie, mais bon, je vous informe. Alors, sur le procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des observations? S'il n'y en a pas, je considère qu'il est approuvé. Et on rentre dans le dur. Si j'ose dire. Alors, je ne vais pas revenir... Je vais donner de suite la parole à Laurence, Laurence Rouette, pour nous préciser un peu le contexte, tous les délais, toutes les discussions, toutes les difficultés et toute la concertation. Parce que ce texte, je dénie à qui que ce soit de me dire que ce texte a été vertical. Il a été... co-construit avec toutes les collectivités des régions. Laurence. Oui, Président, chers collègues, et puis je passerai aussi la parole à Gérard Blanchard, qui a piloté le volet enseignement supérieur, recherche innovation, également dans une grosse méthode de concertation et de co-construction. Ces dernières années. Donc effectivement, on a ici, et ça sera le cas aussi pour la délibération sur la nouvelle politique contractuelle, cette volonté d'afficher une même méthode qui est celle du dialogue avec les territoires et d'affirmer ce dialogue. Et il y aura d'autres délibérations plutôt territoriales à l'ordre du jour qui le montreront. Et également notre volonté en matière de délégation territoriale des fonds européens qui vient aussi renforcer cette méthode que l'on assume et que l'on porte, qui est celle du dialogue avec les territoires. Donc effectivement, pour ce contrat de plan État-région dans un contexte qui est troublé, qui est compliqué et dont on a beaucoup parlé à juste titre précédemment et qui exacerbe encore plus les enjeux de transition et les enjeux de résilience, il nous a paru indispensable d'avancer sur ce contrat de plan État-région et de maintenir la force de la politique et de la méthode contractuelle
qui est celle des engagements réciproques, qui est celle des orientations stratégiques partagées, et en adaptant, en proposant une méthode de dialogue suivie et qui permet l'adaptation tout au long du contrat et jusqu'à toute la durée de vie de ce CPER jusqu'en 2027. Donc c'est bien ça qui sont les éléments constitutifs de cette délibération qu'on vous propose aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on a choisi en Nouvelle-Aquitaine d'avancer concrètement sur cette contractualisation, avec une première liste de projets qui sont inscrits, et avec aussi, j'y reviendrai, l'adaptation du document cadre du CPER qui avait été voté en 2021. Donc une présentation, un rappel général d'abord de ce qu'est le CPER 2021-2027, ça a été abordé dans quelques propos liminaires. C'est d'abord l'accord régional de relance qui a déjà manifesté d'importants engagements et de l'État et de la région sur les années 2021 et qui sont en cours de finalisation pour l'année 2022. C'est également, et ça a été dit, et ça a déjà été regretté, il manque à ce jour, c'est vrai, le volet mobilité de ce CPER 2021-2027, volet mobilité pour lequel les régions et la région Nouvelle-Aquitaine se sont mobilisées pour en obtenir le principe auprès de l'État. Et le Premier ministre s'y est finalement engagé fin 2021. Et l'année 2022 devra également être consacrée à la complétude du CPER avec ce volet mobilité qui est très attendu par la région, mais qui est très attendu aussi par les territoires, et on n'en lâchera pas le principe, tout comme nous n'avons pas lâché pour obtenir en 2021 la signature d'un protocole de régénération des petites lignes ferroviaires. Donc ce volet mobilité, il est important, il est à suivre. Le CPER accord cadre 2021-2027, et puis aujourd'hui ce que l'on vous propose, c'est-à-dire une liste des premiers projets qui intègrent le CPER 2021-2027. Alors le président en a fait mention, on a développé une méthode... On a développé une méthode et un travail de concertation depuis la signature de l'accord régional de relance, avec un travail en commun, parce que le principe de ce CPER, c'est différent avec la politique contractuelle qu'on présentera tout à l'heure, où c'est la volonté de la région de contractualiser avec les territoires. Le principe d'un CPER, c'est bien ce document partenarial, d'abord entre l'État et la région, et ensuite en dialogue avec les différents acteurs territoriaux qui sont concernés. Donc, en travail et en concertation avec le SGAR, nous avons mené fin d'année 2021 13 réunions territoriales avec les départements, les communautés d'agglomération, les villes-centres, et puis avec un regard particulier, mais c'est la loi qui le demande, pour Bordeaux Métropole, puisqu'il y a un volet métropolitain pour Bordeaux Métropole dans le CPER. C'est un dispositif légal, et aussi avec un regard spécifique pour l'agglomération Pays Basque et le pôle métropolitain du Pays de Béarn, qui bénéficie aussi, et c'était dans l'accord cadre, d'une approche territorialisée des projets avec des textes spécifiques. Donc on a demandé et on a mobilisé ces collectivités sur leurs projets structurants, leurs projets prioritaires et les projets qu'ils souhaitaient voir inscrits dans une première liste. Encore une fois, ce CPER, il aura une vie. On n'est pas là dans l'alpha et l'oméga. D'abord, on n'est pas dans l'alpha et l'oméga de toutes les actions régionales. Tout ne passe pas à travers le CPER. On n'est pas non plus dans l'alpha et l'oméga de tout l'accompagnement du CPER jusqu'en 2027. Encore une fois, on aura le temps d'y retravailler, d'adapter et de rajouter des projets, évidemment, au fur et à mesure. Fort de ces réunions territorialisées, nous avons demandé au territoire de prioriser, et évidemment l'État et la région ont choisi et ont priorisé également en fonction de leurs compétences et de leurs priorités stratégiques, et on retrouve au sein de cette première liste de projets, soit des projets qui sont accompagnés par l'État, soit des projets accompagnés par la région, soit des projets de convergence, d'accompagnement entre l'État et la région, et c'était bien l'objectif, c'était de donner cette visibilité à ces premiers grands projets structurants et important dans le cadre des engagements financiers de l'accord cadre, puisqu'on est bel et bien dans cet engagement global. Évidemment, ces listes de projets, elles ont été présentées en CTAP, lors de deux CTAP, une le 17 janvier, une le 17 février. Il y a eu la consultation du public, qui est là aussi légale, qui a été organisée et qui a été menée du 17 février au 17 mars. Ce qui nous permet aujourd'hui de vous présenter cette avancée du CPER en délibération de la plénière. Plus concrètement, dans le contenu, donc rappel, et on s'inscrit hein, dans l'accord cadre évidemment,
avec les quatre thématiques, donc hors volet mobilité, que sont l'enseignement supérieur, recherche, innovation, la transition écologique et énergétique, le soutien à l'appareil productif et aux filières, et la cohésion sociale et territoriale, et avec les engagements qui se montent à plus d'1,909 milliard d'euros. Et là, pour le coup, toutes nos excuses, on a modifié juste à l'instant la délibération, puisqu'on avait des erreurs de calcul et de tableau Excel dans la délibération, donc toutes nos excuses, c'est absolument pas satisfaisant. Merci à ceux qui l'ont vu et qui l'ont signalé. Et merci de bien vouloir accepter cette modification de dernière minute. Mais qui donne donc le reflet complet des engagements sur lesquels nous allons faire porter ce CPER jusqu'en 2027. Pour ce qui est du volet et des projets que nous avons retenus conjointement avec l'État suite au travail qui a été mené depuis le mois d'octobre 2021 et qui venait s'appuyer sur notre connaissance et sur les remontées évidemment des territoires sur leurs grands projets. Il y a 147 projets qui sont retenus au CPER suite à ce dialogue territorial, et encore une fois c'est une première liste, et qui viennent s'inscrire dans les différents volets. D'abord, il y a 20 projets au titre de la transition écologique et énergétique, il y a 11 projets au titre du soutien à l'appareil productif et aux filières, et 116 projets au titre de la cohésion sociale et territoriale, dont on sait qu'il est traditionnellement dans un CPER le volant, on va dire, où les territoires et les collectivités infrarégionales ont des projets et des dispositifs à proposer, et il y en a un certain nombre, et je salue aussi le travail mené par notre collègue Charline Claveau, également en concertation avec la DRAC et les services régionaux sur la culture et le patrimoine. Il y a bien souvent aussi des projets culture et patrimoine qui sont importants et qui sont inscrits au titre de ce volet-là. Mais il y a évidemment un certain nombre de projets en matière de transition écologique et énergétique, des projets qui tiennent lieu au déploiement de l'autonomie alimentaire, des projets sur les transitions énergétiques, des projets de réseaux de chaleur par exemple, des projets sur des pôles de transport décarbonés, c'est le cas à Niort par exemple, des projets sur la préservation de la ressource en eau, sur les protections contre les crues, les engagements en matière de filières, de soutien au secteur prioritaire, et là on y trouve aussi des projets en matière de recyclage de matériaux par exemple, et puis des grands projets structurants en matière de cohésion sociale et territoriale, des projets auxquels on tient. Il y a nombre de projets en termes de... Et c'est l'occasion de réaffirmer l'importance pour nous de dossiers, notamment en matière de formation sanitaire et sociale, c'est le cas par exemple avec le campus à Rochefort, le ferrocampus à Saintes, le campus régional du patrimoine bâti à Feltin, les friches Saïta à Périgueux, halle commerçante à Guéret, stade d'athlétisme départemental de la Haute-Vienne, des projets qui ne sont que des projets structurants, qui sont vecteurs de politiques territoriales importantes et de stratégies importantes et qui sont très attendus sur les territoires et pour lesquels il nous semblait important de pouvoir avancer ce CPER avec la liste des projets. Et je vais laisser la parole à Gérard Blanchard pour qu'il vous explicite la méthode et le pilotage ESRI. Merci Laurence, chers collègues. Alors un petit focus sur la partie enseignement supérieur, recherche, innovation. Je vais être très synthétique et apporter juste quelques points sur la méthode, bien entendu. D'abord, je voudrais quand même souligner l'effort budgétaire très important qui est fait à destination de l'enseignement supérieur et de la recherche vers les universités, vers les écoles et les organismes de recherche. Vous avez vu dans le tableau, c'est 247 millions d'euros qui sont mobilisés par la région au titre de l'accord cadre, dont aussi l'accord régional de relance. À cela, il faut ajouter 25 millions d'euros qui iront spécifiquement sur la question du logement étudiant. En face, l'État mobilise à peu près les mêmes sommes. Ça veut dire qu'on injecte au minimum 500 millions d'euros à destination de ce secteur. Il faudra ajouter évidemment les sommes qui sont en cours de discussion et pour certaines qui sont déjà arrêtées des autres collectivités sur certains territoires, sur certains projets. Et bien entendu, nous mobiliserons aussi, comme nous le faisons régulièrement, des fonds européens à travers le FEDER pour venir apporter des compléments de financement sur les opérations qui sont le plus en lien avec le transfert vers la société, c'est-à-dire un petit peu plus en aval dans la chaîne de valeur. Ces sommes sont importantes côté région, mais sachez que ça ne représente qu'un tiers des sommes que nous engageons globalement vers les universités, les organismes de recherche, les transferts de technologies et les centres de sciences. Voilà pour le premier point. Deuxième point, c'est la concertation. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin.
J'aimerais souligner que, d'une manière générale, mais là je parlerai peut-être plus spécifiquement au titre qui me concerne, on a commencé à discuter avec les acteurs concernés depuis exactement le mois de septembre 2019. On avait organisé avec l'État, avec la DRARI exactement, une première réunion dans le cadre d'une instance qu'on a organisée par la région, et on l'a fait au rectorat pour montrer le travail étroit entre l'État et la région. La concertation a donc été longue, beaucoup plus longue que prévu, puisque la crise sanitaire, évidemment, a un petit peu freiné le déroulé du processus, mais ça ne nous a pas empêché de travailler. Donc, concertation longue, détaillée, qui nous a permis, avec l'État, et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de regarder chacun des projets qu'ils proposaient, le cas échéant de retenir ou d'expliquer que le sujet est intéressant, mais que nous avons d'autres moyens pour l'accompagner et qu'il n'est pas nécessairement judicieux de le positionner dans le CPER. Voilà, donc c'est un petit peu la méthode qui a été retenue. Et puis, ça a été évoqué par Laurence. Les listes qui ont été retenues, évidemment, ont été présentées à l'occasion de deux CTAP récemment, ce qui nous a permis de faire aussi, malgré toute cette concertation très détaillée, quelques ajustements. Troisième point, la question de la stratégie, ça a été évoqué. Il y a une vraie stratégie derrière, évidemment, le CPER. Et je peux vous garantir que sur la partie qui me concerne, il y a une vraie stratégie qui a été mise en place. Je rappellerai que ce CPER a été élaboré de manière cohérente avec notre stratégie qui est le schéma régional pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation. Il y a cinq grandes ambitions là-dedans, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a essayé aussi de donner des orientations fortes avec les problématiques qui nous ont occupés largement ce matin, notamment la question de la transition écologique et énergétique. On parle là de lutte contre le changement climatique, d'adaptation de nos sociétés au changement climatique, de biodiversité, d'agroécologie, de la problématique de l'eau qui est réellement présente dans ce CPER. Le deuxième grand domaine, évidemment, c'est le domaine de la santé, dans une vision élargie qu'on appelle santé globale ou One Health, pour reprendre les termes aujourd'hui. On parlait de la question des épidémies, la question des médicaments qui a été évoquée ce matin par le président. Et puis le troisième grand secteur dans lequel on inscrit nos projets, c'est la question de l'industrie, notamment de la réindustrialisation pour aller vers de la résilience territoriale sur le plan économique. Et c'est là qu'on espère, avec le travail qui est fait et les investissements qu'on va faire, d'aller vers des sauts technologiques qui ont été mis en avant. Alors bien entendu, c'est une centaine de projets dont on est en train de parler, exactement 100 projets, d'accord. Et en travaillant dans le cadre de cette concertation, on vient alimenter, renforcer les priorités des établissements et des territoires, hein, puisqu'on a travaillé région, collectivités et puis établissements d'enseignement supérieur. On apporte des moyens supplémentaires sur des pôles d'excellence, des pôles qui ont une vraie visibilité nationale et internationale. Donc ces 100 projets, la nature des dépenses, c'est assez classique dans un CPER. Hein. Alors je l'ai dit, c'est du logement étudiant, avec les CROUS, avec des bailleurs sociaux et puis parfois la participation des autres collectivités. C'est de l'immobilier pour l'enseignement supérieur, c'est de l'immobilier pour la recherche, des laboratoires de recherche. C'est évidemment de l'équipement scientifique à travers des grandes plateformes pour faire la recherche, pour appuyer les projets de recherche et pour faire le transfert de technologie. Et puis on a inscrit dans le CPER, alors non pas à travers les financements que je vous indique ici, mais on valorise dans le CPER des financements qu'on amène par ailleurs, c'est les deux autres tiers en partie, donc tout ce qui est innovation, transfert de technologie, et tout ce qui est culture scientifique, technique et industrielle. Je terminerai maintenant pour vous donner quelques exemples, parce que je pense qu'on a quelques très beaux projets. Alors je ne vais pas tous les lister, mais je vais essayer d'avoir une diversité des sujets et puis surtout d'être représentatif du territoire. Je vous parlerai d'un centre d'excellence en médecine réparatrice, par exemple à Poitiers, l'Université de Poitiers avec le CHU. Je vous parlerai d'un grand projet One Health, qui s'appelle Omega Health, à l'Université de Limoges. Notre volonté, très fortement poussée par le président, de créer une école vétérinaire à Limoges. Je vous parlerai de tout ce qu'on fait dans le domaine du littoral urbain, avec les biotechnologies, les risques littoraux à La Rochelle. Je peux vous parler du centre d'excellence du biomimétisme dans le Pays Basque, à Anglet, de la construction d'un learning center à l'université, à l'UPPA, à Pau. Je peux vous parler aussi, évidemment, à Bordeaux, il y a énormément de projets,
puisque 50% du potentiel de recherche et des étudiants s'est situé sur Bordeaux Métropole. L'agrandissement ou l'extension de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'extension du grand bâtiment de l'INRIA, un gros travail autour de la question de l'eau, quantité, qualité, disponibilité, interaction continent-océan, ou encore de l'école d'ingénieurs en performance industrielle et maintenance aéronautique. Et puis deux autres points, je ne les détaillerai pas. On fait un effort extrêmement important pour l'installation ou l'agrandissement des écoles d'ingénieurs. C'est une volonté très forte, c'est un objectif qui a été déjà annoncé. Et puis j'insisterai aussi, parce que c'est important, il nous appartient de lutter contre l'inégalité territoriale en matière de force d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc nous avons une attention particulière sur le développement, le renforcement des pôles universitaires de proximité. Je ne vais pas tous les lister, mais il me vient à l'esprit Brive, Mont-de-Marsan, Périgueux, sur lesquels nous investissons avec les autres collectivités territoriales. Voilà, Laurence, Monsieur le Président, ce que nous faisons dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et, Président, juste une poursuite, parce qu'au-delà de la liste des projets, donc 100 projets SRI, 147 dans les trois autres volets, et on a aussi également souhaité, au-delà de la liste des projets et de cette visibilité donnée sur nos engagements, compléter le document cadre du CPER avec deux dispositifs qui sont importants. D'abord, un dispositif et un article sur les éco- et socio-conditionnalités des aides, où nous venons nous inscrire, évidemment, dans le cadre de la réflexion et de la feuille de route Néoterra, et aussi dans le cadre des réflexions sur la révision de SRDE2I, nous venons clairement inscrire la définition de critères d'éco-conditionnalité et de socio-conditionnalité comme un objectif sur la vie de ce CPER. La mesure de l'impact environnemental, social et sociétal des projets sera évaluée et on vise évidemment à améliorer la prise en compte de tous ces aspects, mais dans le respect aussi, au fur et à mesure de la construction de ces critères et de ces éco-socio conditionnalités qui sont en cours d'écriture et de travail. Et puis, deuxième article extrêmement important auquel on tenait à ajouter et d'améliorer qualitativement l'avenant, le CPER cadre, c'est la question de la gouvernance du CPER, puisque on l'a dit, nous souhaitons que ce contrat soit évolutif. C'est essentiel qu'il puisse s'adapter, on le voit aussi, au contexte stratégique et au contexte global. Donc, on veut en faire un document vivant, un document adaptable, un document qui soit ancré dans des contextes qui sont et stratégiques et budgétaires aussi, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui offre une vraie visibilité pluriannuelle, mais qui nous permettent chaque année d'en mesurer l'avancée. Donc on crée trois instances de gouvernance du CPER, un comité de suivi annuel avec les collectivités qui sont parties prenantes et les partenaires de ce CPER, des comités de pilotage thématique, des comités techniques, un bilan d'avancement qui sera présenté chaque année, une fois par an, en CTAP. Voilà pour les évolutions de ce CPER, Monsieur le Président. Merci. Donc je voudrais rappeler, parce que je suis en train de feuilleter l'avis du Conseil économique et social qui me chagrine et qui me surprend vraiment. Vraiment surprenant. Il n'y aurait pas d'axe stratégique sur le plan de l'ESR, de la recherche. Gérard Blanchard vient de le dire, il y a effectivement un axe fort par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux traits de côte, par rapport à la transition agroécologique. Enfin, je vois sur le plan, je lis une phrase sur les choix technologiques, mais bon sang de bois, si on veut sortir l'agriculture, la vigne, de toutes les utilisations cryptochimiques, de toutes les impasses, il faut passer par l'homologation de produits. C'est ce que nous faisons, c'est même notre priorité. Sur la santé, nous n'avons pas de compétences en dehors de la formation. Enfin, je suis très troublé. Je suis très troublé sur la mobilité durable. On met 900 millions d'euros sur la réhabilitation des petites lignes et j'entends qu'on l'a oublié. Ça a été déjà signé avant. Enfin, excusez-moi, mais c'est d'autant que les relations avec le Césaire sont parfaites, mais je comprends pas. Alors, qui souhaite intervenir sur le CPER ? Nicolas Florian, Jean Dionis,
Alors Nicolas, vas-y. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, féliciter les services pour la qualité du document. Et félicite quand même Laurence, quand même. Enfin, uniquement technocratique. N'exprime pas une jalousie spontanée avant que je puisse m'exprimer. Mais non, mais c'est... Je ne fais que commencer, mais c'est... Ça m'énerve. Mais... quand même. Laisse-moi finir, puis... T'inquiète pas comme ça. Donc, féliciter les services pour la qualité de présentation du document. Et puis, féliciter et saluer la présentation qui a été faite par Laurence Rouet et Gérard Blanchard. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir échanger avec eux, mais je sais que ça a été fait avec des membres de mon équipe. Et là aussi, leur dire combien on a considéré avec bienveillance ces échanges, cette capacité à pouvoir... se projeter, mais aussi d'avoir un diagnostic assez lucide de la situation. Je partage avec vous, Monsieur le Président, une forme d'étonnement sur les préconisations ou les constats du CESR. Je ne comprends pas leur forme de sévérité, ou alors on la comprend trop bien. Ça fait plusieurs fois que, comme dans d'autres situations, des instances comme celle-là ont tendance à vouloir remplacer ou provoquer l'orientation politique d'une assemblée qui a été élue légitimement par la population. Et je rappellerai, même si c'est très utile d'avoir une instance comme le CESR, qu'ils sont des gens désignés par des collèges, par leur corps, là où nous avons tous été, vous le premier, élus par la population. Donc je partage avec vous ce sentiment d'une lecture qui laisse un petit goût, qui laisse à penser que c'est un peu excessif, les commentaires des uns et des autres. Bon, je ne vais pas être très très long, il y aura peut-être d'autres interventions parmi les amis de mon groupe sur des sujets très, très, très ciblés. Vous dire qu'on navigue entre incertitude et inquiétude sur une politique qui reste très patrimoniale, avec des engagements financiers qui aujourd'hui sont pour beaucoup figés ou sanctuarisés. La notion de souplesse et d'évolution nous amène à quelques inquiétudes, parce que quelle sera la partition financière de l'État après les élections présidentielles qui vont avoir lieu, il y a quand même un certain nombre d'incertitudes. Alors certes, il y a des engagements qui ont été pris, mais sur tout le volet souplesse et évolution, on est dans l'incertitude et une forme d'inquiétude pour l'avenir. Là-dessus, je serais tenté de vous dire que Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport aux documents de décembre et d'avril. Peut-être si une liste de projets, mais dont on ne voit pas encore le périmètre financier. On prend date, mais on ne souhaiterait pas que cette prise de date se traduise par un prix de la course le moment venu pour tous ces porteurs de projets. J'ai moins de certitude que vous, Monsieur le Président, quant à la non-verticalité du process. Parce que nécessairement, à un moment ou à un autre, et c'est la logique de notre institution, il faut un petit peu de verticalité. Vous devez être aussi, en tant que chef de file, bien sûr qu'il faut concerter, consulter, s'appuyer sur les autres collectivités locales et territoriales. Mais il y a nécessairement, à un moment ou à un autre, une forme de parti pris et de hiérarchisation que vous nous présentez aujourd'hui. D'ailleurs, vous maintenez, ce qui sera source pour nous de conforter un vote qui sera un vote d'abstention, vous maintenez, urbi et orbi, le volet ferroviaire entre Oloron et Bedouce. Quand tout à l'heure vous vous interrogiez sur les marges de financement que nous aurions si on devait appliquer les propositions que nous avons faites tout à l'heure sur un plan de crise, ben là vous avez une marge d'économie majeure sur ce dossier. On remarque, et on abonde dans votre sens, qu'il y a toujours cette incertitude là aussi sur le volet mobilité. Vous rappelez qu'il y a eu ce plan d'urgence
qui nous a été présenté en avril de 2021, mais qui concerne hein, les petites lignes ferroviaires. Et c'est là où, comme vous, je ne comprends pas la réaction du CESR. Il y a des moyens qui ont été engagés, très bien, mais est-ce que tout ça préempte ce qui pourrait se faire ou ce qui devrait se faire après 2023? Et quand je parle de mobilité, je parle de mobilité au sens large, c'est pas que le volet ferroviaire, c'est aussi le volet routier, où il y a, on s'en félicite, hein, l'inscription de certains dossiers prioritaires, c'est la RN 149, c'est la 2x3 voies Poitiers-Limoges, c'est la RN 21, et au-delà de la facilité de mobilité, c'est aussi cette capacité qu'aura notre région, après avoir constitué un véritable arc atlantique, à avoir aussi une logique plus intérieure, plus méridionale, j'allais dire, avec la capacité de relier ce qui se passe au nord avec ce qui se passe à l'est. On voit bien qu'il y a cette logique d'aller regarder vers les Alpes, hein, et donc l'aménagement et tout ce qui peut participer au développement de nos infrastructures vers l'est, mais aussi vers le nord, et le rattachement au sud. On ne voit rien, même si c'est un dossier qui est, j'allais dire, par lui-même autonome sur la LGV. On en a déjà discuté ici, mais voilà. Donc il y a cette logique d'aménagement du territoire et de raccrochement du territoire. Il y a la desserte interne. Je crois que là-dessus, les sujets prioritaires sont identifiés. On aura toujours, ici ou là, des carences. C'est logique en termes d'aménagement de routier ou de desserte. Mais sur tout ce qui est transit et même desserte, l'essentiel est là. Il s'agira maintenant que les financements puissent suivre. Voilà, donc nous allons nous abstenir. Nous appelons de nos voeux que... ce qui ressortira des élections présidentielles. Alors j'ai vu que vous aviez été sévère avec tout le monde là, l'autre jour dans une interview. J'ai lu ça avec intérêt. Vous rappelez ce que vous aviez fait en 2017 pour aujourd'hui dire que vous ne referiez pas la même chose. Je vous ai trouvé sévère, mais pas assez, ou alors pas un mot par contre sur votre candidate. Alors je suis pas là pour parler des élections présidentielles, mais enfin ça me donne l'occasion quand même de c'est bien de donner des bons points ou des mauvais points. Tu parles de ma candidature Non, pas la tienne. J'imagine pas que tu sois candidat aux élections présidentielles. Mais enfin pourquoi pas d'ailleurs. Mais surtout des gens que tu soutiennes. Je referme la présidentielle. Pas encore. Il peut y avoir des surprises, vous savez. Il faut pas se contenter de la lecture des commentateurs et des analystes, souvent parisiens, sur l'issue d'un scrutin. On voit l'incertitude qu'il y a derrière. Donc voilà, laissons le peuple décider le moment venu. Voilà, même si on voit quand même qu'il y a des tendances. Donc nous nous abstiendrons sur ce document. C'est pas une abstention de refus, hein, de rejet, c'est une abstention eu égard aux incertitudes et aux inquiétudes s'agissant des futurs financements sur toutes les opérations qui sont présentées. Et je finirai par redire combien nous avons apprécié la présentation faite par Laurence et M. Blanchard, qui enfin ont pu prendre un peu d'autonomie par rapport au président, on l'imagine, on le lit comme ça. Ils se sont affranchis, c'est bien, continuez comme ça. Et merci de cette présentation. Nicolas, elle n'a pas simplement présenté, elle a fomenté, écrit, participé. Voilà. C'est pour ça que je remercie et Florence, et Gérard, et Renaud, et tous les élus, et Guillaume, etc., et les services. Jean Dionis, monsieur le conseiller territorial. J'allais y venir, monsieur le président. J'ai d'ailleurs, vous me cherchez, vous me trouvez d'entrée. J'ai pas trop aimé votre interview en disant qu'on venait faire notre marché, tout ça. Est-ce que le fait qu'il y ait des conseillers territoriaux qui aient un véritable ancrage politique avec le suffrage universel soit présent ici, est-ce que ça vous gêne? Répondez-moi. Tout. S'ils arrivent à s'élever, on essaye modestement. Moi, j'ai pas de soucis. On essaye. Alors, on va voir si vous avez changé. Donc, nous, on est pour le conseiller territorial et on pense que c'est une bonne initiative. On l'a d'ailleurs largement trouvé dans l'inspiration d'un ancien président de la République. Alors,
Monsieur le Président, Madame la vice-présidente, chère Laurence, que je salue comme donc la véritable motrice de ce CPR, si j'ai bien compris, et je salue aussi son collègue, Monsieur Blanchard, Gérard Blanchard. Notre groupe, quant à nous, votera cette délibération. On est clair. Nous, les centristes, on aime les contrats. On aime les contrats. On est comme ça. Parce qu'on n'aime pas... Surtout, vous soutenez le gouvernement. Surtout, pardon. Vous soutenez le gouvernement. Exactement. Et j'allais y venir. Nous approuvons votre volontarisme là-dessus et le volontarisme de l'État. Et je voudrais d'ailleurs avoir une pensée particulière pour une ministre que nous aimons bien, parce qu'elle sort des territoires, parce qu'elle est pratique, parce qu'elle a fait bouger des lignes. Je veux parler de Jacqueline Gourault. Et je la salue maintenant qu'elle va vers d'autres tâches. Si on, Geneviève Darrieussecq me faisait remarquer que si on additionne l'accord régional de relance, le plan petite ligne et le CPER tel qu'il est 2023-2027, on arrive à un ensemble de contractualisation de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, c'est quelque chose et ça se salue. Et nous, l'idée d'une région qui travaille avec l'État, surtout d'un État qui est, encore une fois, tourné vers les régions, elle nous plaît. Et pour cette raison fondamentale, nous voterons votre délibération. Donc, acte. Alors, est-ce que tout va très bien, Madame la Marquise ? Non. On y vient, Monsieur le Président. Nous, notre intervention, elle portera sur la méthode. Vous nous avez dit que c'était parfait, etc. Et il y a des petites lumières qui sont allumées. Les collègues verts vous ont dit des choses, le Césaire vous ont dit des choses. Eh bien, nous aussi, on va vous en dire, avec notre vécu. Notre intervention, elle porte sur la méthode d'élaboration du contrat de plan État-région, surtout sur les contrats à maîtrise d'ouvrage des territoires. Parce qu'encore une fois... À la limite, on peut comprendre que vous fassiez ça entre vous, État, région, lorsque c'est des contrats, maîtrise d'ouvrage, région ou État. Mais quand c'est les territoires qui sont maîtres d'ouvrage, alors je pense qu'il faut faire attention à eux et les respecter. Notre question est simple. Comment la liste qui nous est soumise a-t-elle été constituée ? Quelle articulation avez-vous eue avec les territoires, notamment lorsqu'ils sont maîtres d'ouvrage ? Ce qui est souvent le cas. Beaucoup de territoires... nous l'ont dit, ils nous l'ont remonté. Ils ont dit avoir eu une réunion visio avec la région et l'État, puis plus rien. Et pourquoi tel projet est retenu ? Pourquoi tel autre ne l'est pas ? Très honnêtement, beaucoup de territoires sont dans le noir complet là-dessus, en tout cas silence radio. À titre d'exemple, je voudrais vous citer un certain nombre de projets qui sont dans votre liste et qui sont acceptés sur un certain nombre de territoires, refusés dans d'autres, les mêmes, même nature. Je parle par exemple des pôles valorisation de déchets, acceptés à Niort et à Villeneuve, tant mieux pour Niort et à Villeneuve, refusés ailleurs. Je parle par exemple de ports fluviales, acceptés à Saintes, tant mieux pour Saintes, refusés ailleurs. Pourquoi ? Je parle de plans vélo d'agglomération, acceptés à Libourne, tant mieux, chère Laurence. Accepté au CD 33, refusé ailleurs. Pourquoi ? Qui a fait ces choix ? Quels ont été les critères ? Bref, quel est le logiciel, s'il y en a un ? Alors, bien évidemment, tout le monde peut entendre qu'il y a une contrainte financière et budgétaire. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'elle soit équitable au niveau territorial, cette répartition. Et cette ventilation nous manque. Mais cette contrainte, y compris financière et budgétaire, elle doit être lisible, elle doit être débattue, elle doit être démocratique. Et les parties prenantes, et notamment les maîtres d'ouvrage territoriaux, doivent être associées du début à la fin, y compris dans les choix, y compris dans les refus. Ce n'est pas le cas. Et vous devez l'entendre. Ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, d'abord mettre de la transparence dans tout cela, je pense que ce n'est pas une exigence complètement exorbitante. Ça, c'est notre première revendication de la participation, de la transparence. Les Verts vous l'ont dit, le Césaire vous le dit, les centristes vous le disent. Peut-être qu'ils ont raison, quand même. Enfin, deuxième demande pressante, il faut de la clarté. Parce que le système est en train de devenir mais incroyablement complexe et opaque. Et le système, je parle global de l'intervention de la région, il est gagné. Et Président, il faut que vous l'entendiez, par la complexité. Vous allez me dire, le monde va vers plus de complexité, je peux l'entendre. Par la confusion, c'est plus grave.
quels sont les projets qui sont éligibles au contrat de plan? Quels sont ceux qui ne le sont pas? C'est pas net. Quels sont les projets qui, éliminés au contrat de plan, vont pouvoir être repêchés au contrat de territoire? Là encore, quels sont les critères? Quelle est l'articulation entre les deux? Quelle est l'articulation entre le contrat de plan État-région et les contrats de développement des territoires et les régimes d'intervention de droit commun? Franchement, Monsieur le Président, entendez-le, pas facile de s'y retrouver. Les territoires sont un peu perdus, ils s'y épuisent dans cette affaire. Monsieur le Président, je vous le disais, nous les centristes, on aime les contrats. Voilà, donc votre politique contractuelle sur le fond. Et on aime les contrats pour raison de fond, parce qu'ils respectent la libre administration garantie aux collectivités territoriales par notre Constitution. Mais pour qu'il y ait véritablement une politique contractuelle, pour qu'ils respirent ces contrats, pour qu'ils marchent, il nous faut plus de participation et plus de clarté. Monsieur le Président, merci de faire avancer la région dans ces deux directions. Merci. Ah ben c'est conforme, hein. Je ne sais pas qui a dit et c'est excellent. C'est les Verts et ils ont le droit. Je me permets de juste, je répondrai à tout le monde tout à l'heure avec Laurence, mais simplement l'expérience qui est la mienne est peut-être unique dans cette assemblée de négociation de CPER. Je n'ai jamais, alors je prends acte de la crise sanitaire et je n'ai jamais connu de négociation aussi compliquée, aussi floue et une absence de chiffrage d'un certain nombre de dossiers. C'était le souhait de l'État, c'était la commande que l'État avait passée à la préfète de région et à ses équipes. Et je pense que les services de l'État en région n'ont jamais eu autant de peine à contractualiser avec nous sur le sens de ce CPER, premièrement. Deuxièmement, nous avons, et beaucoup d'entre vous en êtes témoins, et Laurence a fait un travail, Gérard Blanchard aussi, Renaud Lagrave sur le plan des transports, Françoise Janson sur le plan de la santé, etc., Philippe Neuf, enfin, je veux dire, tout le monde s'y est mis pour essayer d'avoir un ordre de priorité voulu par les collectivités territoriales. Un ordre de priorité. Pour autant, est-ce que ça empêche la région? Parce qu'on voit bien qu'il y a deux mondes. Celui que vous portez, c'est-à-dire il faut que la région soit un tiroir caisse pour mes projets. Vrai problème avec les territoires. Tu veux que je fasse photocopier ta lettre? Mais bien sûr, moi je fais mon travail de pas de problème. Voilà. Mais vous avez un problème avec avec les territoires. À venir au tiroir caisse de la région. Bon. Il y en a qui sont bien servis. Vous voulez qu'on dise des cas particuliers, Monsieur le Président? Aucun moment, personne ne peut me critiquer sur les choix qu'ils ont faits par rapport aux étiquettes politiques. Personne. Vous voulez? Personne. Ah. Deuxièmement, donc il y a eu un ordre de priorité. Je l'ai redemandé à la métropole. Je l'ai demandé à chacun des départements et à chacune des intercos. Donc là-dessus, par rapport à la région, elle a des priorités et des politiques. Et c'est bien ça qui nous oppose, ces politiques, c'est-à-dire d'abord régénérer les lignes ferroviaires. 900 millions d'euros sur les 10 ans qui viennent, sur 1,6 milliard. Donc, mais ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu, c'est l'État qui n'a pas voulu avoir un volet mobilité du CPER. Et une des principales fâcheries des collectivités territoriales, c'est qu'il n'y a pas eu de volet mobilité. Alors, il y a eu un volet mobilité précédemment sur... Mais les collectivités locales, si ça rentre dans les politiques de la région et dans les compétences de la région, je rappelle qu'il y a eu la loi NOTRe, eh bien, on la respecte et on respecte. C'est pour ça que si demain, il n'y avait plus d'élections régionales, si la région perdait sa légitimité démocratique par l'élection assez extraordinaire qui vous permet d'être ici aujourd'hui, qui permet peut-être à ULV d'être là aujourd'hui, si c'était uniquement une élection cantonale, il n'y aurait plus de politique de la région. On reviendrait
à l'époque des établissements publics régionaux et on ferait, ça serait le retour des ronds-points et des salles polyvalentes. Vous avez un problème avec les territoires. Jean-Luc hein, Plaise, oh, pas du tout. Un vrai problème. Un vrai je problème. Vous rappelle que j'ai alors été maire et donc je n'ai pas du tout de problème avec les territoires. Monsieur au le contraire. Pas Jean-Luc Plaise. De mauvaise foi comme ça. C'est Jean-Luc, hein? Non, c'est pas Jean-Luc, mais comme il y a un Jean-Luc dans le groupe, ça ira très bien. Si. Alors, qui doit parler? Jean-Philippe. Merci, monsieur le président, chers collègues. Certains verront effectivement le verre à moitié vide dans ce CPER. Nous voyons plutôt ce contrat de plan État-Région pour ce qu'il contient et qui nous invite donc à le voter même qu'à moitié plein. Oui, nous regrettons de ne pas y voir figurer le volet mobilité, comme tout le monde. Mais alors, que faire? Ne pas l'adopter et espérer des négociations qui seraient différentes après des élections présidentielles? D'abord, aurons-nous d'autres interlocuteurs susceptibles d'être plus à l'écoute qu'en période électorale? Ensuite, passez-moi ce proverbe, et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Comme vous le dites, monsieur le président, ce qui est compté n'est plus à l'être. Certes, le volet mobilité est absent, mais ce contrat de plan État-Région propose tout de même pas loin de 2 milliards d'euros pour financer 147 projets sur les territoires, auxquels peuvent s'ajouter, ça a été dit, les 2,5 milliards du plan de relance et le 1,5 milliard d'euros issus de notre protocole d'accord avec l'État sur les lignes de desserte fine du territoire. Et là, on parle bien de mobilité. Actons ce contrat de plan État-Région, donc, et avançons, car ce contrat propose des avancées, une notable surtout, ce sont les éco- et socio-conditionnalités des aides pour rendre éligibles les projets. On est ici dans l'opérationnel donné au terrain, qui n'est plus une simple vision politique. On passe bien du discours à une réalité de terrain, avec des projets qui sortent de terre dans les territoires, et je voudrais le dire ici, avec les territoires. C'est plus globalement une mise en cohérence des projets soutenus avec les schémas nationaux, comme les assises de l'eau ou les stratégies bas carbone, et les schémas régionaux comme le Stradet ou donc Néoterra. Cette mise en cohérence des projets avec différents schémas et nos priorités politiques entre en cohérence avec le discours que nous portons avec constance dans cette Assemblée. Actons donc et avançons, car la politique, c'est le temps long. Attons la réalisation de projets structurants très attendus dans les territoires, car travailler avec eux et plus largement en Nouvelle-Aquitaine pour les Néo-Aquitains. Et enfin, pour terminer, saluer effectivement l'envergure et le volume de travail piloté par Laurence Rouade. Et puis, je voudrais simplement et terminer, mais simplement et sincèrement, saluer aussi le formidable travail réalisé par Gérard Blanchard sur le volet université de ce contrat de plan État-Région. Rien que pour cela, ça mérite d'être voté. Merci. Merci beaucoup. Marie Scombre. Merci, Monsieur le Président. Madame la vice-présidente Laurence Roued et monsieur le vice-président Gérard Blanchard. Tout d'abord, dans un premier temps, en fait, au préalable, nous aurions souhaité recevoir un bilan chiffré et détaillé des réalisations du CPER 2015-2020 et de ses 8 avenants, ce qui aurait permis d'avoir un état initial. Ce nouveau contrat plan État-Région est inédit, puisque c'est le premier qui concerne le périmètre de l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous, il est pour le moins décevant à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que les élus régionaux sont aussi des élus de territoire. Ce document aurait mérité une concertation transpartisane en amont de son élaboration. Il y a bien eu une consultation sur les sites de la préfecture et de la région, mais les élus n'en ont même pas été informés et elle s'est déroulée sur la base d'un document qui n'était d'ailleurs pas le même que celui proposé au vote aujourd'hui. D'autre part, il se caractérise aussi par la vacuité quant à son chiffrage. Il s'agit d'un catalogue de projets énoncés sans montant, sans connaissance de la répartition des participations État-Région. Vous qui n'aimez pas, Monsieur le Président, ces politiques de guichet, permettez mon étonnement. Cette compilation de projets est très éloignée d'une planification structurante, comme le laisse supposer l'intitulé de ce document, contrat de plan. Aucune déclinaison opérationnelle.
Des questions, contrairement à mon collègue Jean-Philippe Plaise, restent en suspens quant à la mise en cohérence avec les différents schémas régionaux. C'est ce qui a été relevé sur le rapport environnemental fait par le cabinet Olect, je crois. La déclinaison aussi en thématiques proposées par l'État cloisonne les politiques publiques et fait montre d'un manque de vision tant stratégique que politique, alors que la pierre angulaire doit être la transition écologique. En effet, comme les scientifiques nous l'ont encore rappelé dans le dernier rapport du GIEC et comme évoqué par Nicolas Thierry tout à l'heure, nous sommes dans la dernière décennie critique pour faire face au dérèglement climatique. Il est fondamental de mener un véritable travail au sein des territoires, certes, afin de donner du sens à leurs projets et de conditionner les aides à la trajectoire carbone. C'est ce que c'est, je le rappelle, vraiment l'impératif de cette décennie. L'absence d'objectifs précis dénote aussi le manque d'ambition et d'anticipation de l'État, notamment en termes de lutte contre le réchauffement climatique et sa nécessaire atténuation et adaptation. Les trois CPER 2015-2020 totalisaient 1,5 milliard d'euros, hors mobilité, puisque ce volet est absent. Celui-ci se monte à 1,9 milliard d'euros. Et au regard de ce que je viens de décliner au-dessus, au regard de cette urgence climatique à laquelle il faut que nous répondions, ce n'est pas suffisant. Par ailleurs, nous avons bien noté, bien évidemment, l'ajout des deux articles évoqués tout à l'heure par Laurence Roed par rapport au CPER cadre d'avril 2021. L'article 4, donc, qui est quand même une forme de déclaration d'intention sur les éco-socio-conditionnalités des aides, qui reste toutefois à construire et qui, je le rappelle, avait déjà été exprimé dans le précédent CPER. Nous espérons donc que nous irons beaucoup plus loin qu'une réflexion engagée cette fois-ci. L'article 5 concerne la gouvernance du CPER et précise qu'un suivi sera fait et laisse présager d'une adaptation du contrat qui serait possible. C'est très bien. Mais commençons donc par le suivi de la consommation des enveloppes du CPER 2015-2020. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Se porter à connaissance des élus est légitime. Et nous attendons un véritable engagement dans ce sens pour le contrat 2021-2027. Nous savons que les négociations avec l'État ont été rudes, mais nous attendions mieux qu'une élaboration verticale, sans véritable calendrier arrêté et sans esprit de co-construction d'un projet tel que celui-ci. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, que vous vous engagiez de reprendre ce contrat de plan après les élections. Le CPR est un outil de financement important, vraiment important, pour permettre aux territoires d'agir et pour instruire les investissements dans les politiques publiques résilientes au bénéfice du climat et donc au bénéfice de tous, bien évidemment. Et c'est pour cela qu'il méritait mieux. Je vous remercie pour votre attention. Chère Maryse, d'abord, toutes les collectivités, tous les territoires ont été... y compris Poitiers, par exemple. Ont été sollicités, on leur a demandé de prioriser sur l'ensemble des dossiers. Imaginons un CPER qu'on aurait, si je reprends votre argumentation, imposé. C'est-à-dire dire, bah, écoutez, maintenant, vous, Agen, vous, Poitiers, vous, c'est nous qui décidons. Nous et l'État. Il est remonté de la base. On l'a fait à deux reprises. On a demandé des priorités à plusieurs reprises. S'il n'y a pas des choses concrètes, le CPER n'existe pas. L'État n'a pas voulu mettre la mobilité, estimant qu'il avait déjà fait, avec le 1,6 milliard des petites lignes, le travail précédemment, sur la reprise du CPER après les élections. Le débat, mais le questionnement n'est pas venu parce que certaines régions ont décidé de ne pas voter un CPER avant les élections présidentielles. Ça pouvait être une approche. Normandie, je crois, Occitanie, etc. Nous avons décidé, j'ai décidé, qu'il valait mieux tenir que courir. S'il doit y avoir réouverture des discussions, avec
le ou la présidente de la République qui aura été élue, nous réouvrirons cette discussion. Et il faudra bien qu'on aborde un volet mobilité. Même un volet mobilité qui ne soit pas dans les compétences ou dans les stratégies de la région. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une équité territoriale sur la durée, y compris des fonds européens. On ne peut pas dire qu'il y ait une insensibilité au réchauffement climatique. Tout est l'inverse. Parce que faisons attention, certains réclament qu'il y ait, dans le budget, une part transition écologique. Mais c'est l'ensemble des lignes, y compris dans notre action auprès des entreprises, y compris sur la santé, y compris sur l'université. Je peux redonner la parole à Gérard Blanchard pour vous dire la façon avec laquelle, dans ce domaine spécifique, nous allons développer nos appels à projets. Donc c'est faux. C'est faux. Totalement faux. Juste, je n'ai pas dit qu'il fallait imposer. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Eh bien oui, mais donc nous avons repris tous les dossiers qui sont repris, soit par l'État, soit par la région, viennent des territoires. Ce que l'on a essayé de faire entre l'État et la région, c'est de faire en sorte que ce soit équilibré. Alors, j'ai Alain Bachet. Il nous est donc proposé de voter d'approuver le nouveau contrat de plan État-région 2021-2027, contrat essentiel pour créer et porter une stratégie territoriale en adéquation avec les réalités de notre siècle. Le CPER, tel qu'il nous est soumis aujourd'hui, comporte 4 volets. Notre groupe aussi regrette l'absence du volet mobilité du fait de l'État, pourtant essentiel pour la mise en réseau des territoires et pour répondre à l'urgence climatique, en particulier sur la question des transports publics et des infrastructures qui y sont nécessaires, avec bien évidemment la dimension écologique et la dimension sociale et économique. Nous pensons notamment à ce qu'il aurait fallu faire pour financer un dossier qui traîne depuis plus de 40 ans ou 30 ans dans notre région, c'est la POLT. Parmi les domaines de compétences régionales, ceux qui apparaissent dans le CPER, l'enseignement supérieur et la recherche s'imposent comme un volet thématique d'envergure. L'accent est mis sur les sciences formelles. Même si le CESER salue l'effort qui a été fait pour intégrer les sciences humaines dans ce volet enseignement supérieur, nous remarquons que celles-ci apparaissent seulement comme des soutiens aux filières et secteurs économiques stratégiques. Les sciences humaines doivent, pour nous, comme les sciences dures, être une priorité, car elles aussi participent à notre rayonnement et au niveau international. Il serait d'ailleurs intéressant d'approfondir le développement d'antennes universitaires afin de permettre un égal accès au savoir à toutes et tous sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. En effet, la concentration des pôles de formation dans le supérieur, dans les grandes villes, finit par poser notamment la question du logement étudiant et du logement au sens large du terme. De plus, si ce volet enseignement supérieur et recherche est en direction de la jeunesse, il s'agit là seulement de la jeunesse étudiante. Nous affirmons aussi l'importance qu'il y a à prendre en compte l'ensemble des jeunes. En termes de santé, si le CPER affiche de bonnes intentions, il nous faut hélas regarder les réalités territoriales et constater le manque criant de professionnels de santé, ce qui, sans aucun doute, pose la question de la formation. Malgré les efforts de la région et l'augmentation du nombre de formations pour les infirmières et aides-soignantes, le développement de la télémédecine ne doit et ne peut pas être une solution permanente permettant de ne pas s'attaquer aux causes profondes des déserts médicaux. Il serait intéressant de réfléchir à la manière dont les collectivités locales et les intercommunalités peuvent aider à pallier ces manques et répondre aux besoins des populations, avec par exemple le développement des centres de santé publics pluridisciplinaires qui nous paraît être une piste à suivre. Il est également important de mettre en place une réelle égalité des territoires. Ça ne sera possible que lorsque les services publics retrouveront leur juste place sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Une autre problématique est à traiter en lien avec mes propos de ce matin, celle de la question des énergies afin de répondre aux besoins de chacune et chacun. Il faut donc réfléchir à la façon dont nous pourrons valoriser les sources d'énergie renouvelables. J'ai parlé ce matin de la géothermie, mais il nous faut y rajouter le bois qui pour nous est un élément de construction et un isolant thermique et un matériau durable. Nous saluons qu'apparaissent les éco-socio-conditionnalités, comme l'a rappelé le Césaire. Il faut que ces critères soient décidés en accord avec tous les acteurs de la société civile. C'est pourquoi, en juin, lors de la refonte du SR2I, nous travaillerons à des propositions en accord avec ces mêmes organisations. Et permettez-moi également, comme l'ont fait les précédents intervenants, de remercier le travail de Laurence et de Gérard, mais aussi de toutes celles et ceux qui ont participé à faire de ces propositions. Merci Alain. Juste sur la présence universitaire sur tout le territoire, c'est un point auquel on est très attaché avec Gérard Blanchard et qui se passe. Agen, Brive, Périgueux, Mont-de-Marsan, Pau, en dehors de son université où nous avons inventé la première année de médecine avec des résultats spectaculaires, qui permet d'ailleurs, par la proximité, d'avoir des retours sur le terrain pour les médecins. Je rappelle aussi, pour l'avoir dit plusieurs fois, mais il faut bien qu'on en ait conscience, nous transformons progressivement les lycées, surtout les lycées professionnels et les lycées agricoles, en universités de proximité. Le lycée Lehoui, qui va se reconstruire enfin à La Souterraine, Bac plus 5, en design. Le lycée Feltin, on est au cœur d'un des plus petits départements de la région. Bac plus 4, le lycée des métiers du patrimoine. Voilà, donc on est bien conscient de ça. Christine Séguinot. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas laisser parler Katia. On était trois à faire l'intervention, c'est comme tu veux, Katia. Si. Alors, Katia Bourdin. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous aurions toutes les raisons ce matin de nous réjouir à la lecture de ce CPER, de l'intérêt de l'État pour nos projets de territoire, s'il ne s'agissait pas de projets savamment sélectionnés au filtre d'une vision verticale et descendante. Une main à la fois visible et invisible, celle-ci, qui impose sa vision du développement des territoires depuis Paris. Des projets savamment sélectionnés, hélas, selon la loi de l'offre et non celle de la demande. Où sont les réponses aux spécificités et aux besoins d'investissement pour une vraie transition écologique dans la première région agricole d'Europe ? De la première région pour sa façade littorale ? En quoi tout cela répond-il aux besoins des filières qui sont les plus impactées par le dérèglement climatique, la montée des eaux, l'acidification des océans ? Quelles sont les réponses apportées à ces problématiques spécifiques ? Quelle vision précise de notre spécificité culturelle et patrimoniale, par exemple, et des besoins réels du secteur artistique ? Bien sûr, il faut engager l'État à contractualiser avec la région pour soutenir la valorisation du patrimoine et du matrimoine, bien sûr, au premier rang desquels les langues régionales. Mais ce qu'on nous propose ici, ce sont des investissements prioritairement ciblés sur des vitrines de l'action de l'État en région. Des lieux surtout susceptibles de diffuser partout la même programmation. Qu'en est-il du soutien aux femmes et aux hommes qui ont fait et font vivre la diversité et la richesse artistique, patrimoniale, culturelle, partout sur nos territoires ? On attendrait un soutien non pas seulement aux lieux de diffusion, mais à destination de la vie culturelle dans sa diversité, à destination des initiatives culturelles, de la vie associative, des équipes artistiques qui apportent la garantie de la liberté artistique, à destination de l'éducation artistique et culturelle, des pratiques amateurs, une politique qui encourage les conservatoires, les écoles de musique et de danse en milieu rural, les coopératives d'emploi, les ateliers partagés, les tiers-lieux culturels, à destination de toutes celles et ceux qui font quotidiennement vivre les cultures dans notre région et qui vivent souvent dans la précarité, vulnérabilisés par deux années de crise sanitaire, démobilisés
après les occupations incomprises des scènes nationales, tous ces artistes du territoire qui ne parviennent pas à relever la tête et disparaissent du paysage, loin des radars parisiens. Au chapitre de l'égalité des droits également, les priorités de l'État ne sont pas celles des urgences de notre territoire. Évidemment, nous nous réjouissons de cet argent public investi pour financer un observatoire des lieux d'hébergement pour les victimes. Mais qu'en est-il du soutien au secteur associatif, celui qui œuvre quotidiennement à la prise en charge juridique et psychologique des victimes de violences sexistes et sexuelles? Comme par exemple le réseau des CIDFF, qui partout sur nos territoires compte ses sous pour recruter et pour remplacer les départs à la retraite. Par ailleurs, pourquoi ne pas associer l'État et la région pour une vraie politique préventive en matière de violences sexistes et sexuelles? Des campagnes de sensibilisation, de l'éducation à la diversité, des actions concrètes pour ouvrir les imaginaires des jeunes filles et des jeunes garçons. Ce matin, une seule question, où est passé le monde d'après? Et une réponse s'impose. Il n'est pas dans ce contrat de plan, reflet d'une politique jacobine, d'un autre siècle et totalement déconnecté des besoins spécifiques qui s'expriment partout sur notre territoire, dès lors qu'on prend la peine de descendre de sa tour d'ivoire. Je pense que vous faites une erreur. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites, hein. On peut le partager, parce que la région, Naïma Cheraï, a suffisamment porté toutes les actions sur la lutte contre les violences sexistes ici dans cette assemblée, on continue, mais CPER, c'est pas ça. Enfin, CPER, c'est pas ça. CPER, c'est des investissements, c'est pas du fonctionnement. Mais si c'est du fonctionnement, ça signifie que la gestion de chacune de nos assemblées et collectivités est préemptée par l'État. Il n'y a plus d'autonomie de nos collectivités. Enfin, vous êtes complètement hors sujet, ma chère, même si les dossiers que vous soulignez ont fait l'objet d'actions pendant la crise de la région, des communes, des intercos, de l'État, etc. Enfin, je ne sais pas si Charline veut bien dire un mot sur la culture, parce que on pensait avoir fait un joli dossier. Charline, est-ce que je dois battre ma culpe de la cendre sur la tête? Je vais tâcher d'apporter quelques arguments pour défendre les choix qui ont été faits, mais je vous rejoins, Président, cela tient également à l'objet même de ce CPER qui est avant tout une intervention en investissement, et je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne fait pas l'articulation avec la manière dont nous pouvons aider les projets aussi en fonctionnement. Et je donne par exemple la question des équipements culturels que vous avez soulevés, avec notamment par exemple des investissements sur ce qu'on appelle des labels d'État, par exemple des scènes nationales ou des centres dramatiques, etc. Il faut savoir que aujourd'hui, nous sommes en renouvellement de conventions avec un certain nombre de ces équipements. Et en fait, nous nous servons de ces lieux-là, non pas comme des vitrines pour une programmation un peu bling-bling, mais bien comme de véritables animateurs de l'écosystème culturel au sein des territoires. Et d'ailleurs, ça fait partie de la cahier des charges. Ce sont des équipements qui aujourd'hui accueillent des artistes, par exemple, en résidence de création ou font de la coproduction. Nous avons un regard très attentif sur le fait que ces activités puissent évidemment profiter à des artistes régionaux. Ce ne sont pas des coquilles vides. Il y a derrière tout ce que la région peut pousser et demander à ses acteurs en tant qu'animateurs, coopérateurs avec les artistes néo-aquitains, notamment, sur le territoire. Ensuite, il faut voir que, par exemple, sur le patrimoine, c'est un autre exemple. Bien sûr que nous restaurons et que nous participons donc à la restauration du patrimoine. Il faut savoir que la région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement riche et que parfois, c'est d'ailleurs le seul lien que la région a avec certaines communes. Et 80% de nos interventions sur le patrimoine interviennent pour des communes de moins de 2000 habitants. Et aujourd'hui, le service patrimoine de la région ne fait pas que instruire des dossiers pour de la rénovation du patrimoine. Elle propose également d'accompagner sur des actions de valorisation du patrimoine, et ces actions de valorisation
par la médiation se font bien souvent avec les habitants eux-mêmes pour faire en sorte que les habitants puissent aussi raconter ce qu'est le patrimoine pour eux, ce que cela construit, ce à quoi cela fait appel dans leur histoire et dans leur manière de vivre ensemble. Donc je pense que c'est un peu compliqué de décorréler en fait les choix d'investissement du reste de l'action régionale en faveur de ces équipements. Ensuite, je suis un petit peu étonnée parce que vous aurez noté quand même que nous avons un axe qui s'appelle le plan Friche, et le plan Friche vise justement à répondre ces nouveaux projets culturels qui émergent et qui sont bien souvent à la croisée des chemins entre l'économie sociale et solidaire, par exemple, la culture, parfois l'agriculture. Donc ils sont des objets que l'on peut avoir du mal à saisir actuellement dans nos règlements d'intervention, et pour autant nous avons tâché de pouvoir répondre à ces nouvelles formes en fait de projets culturels qui associent aussi très fortement souvent les habitants à travers cet axe-là. Et enfin, vous noterez, et je le dis parce que j'ai beaucoup insisté pour cet axe, pour que cet axe soit dans le CPER, nous avons un axe qui est dédié à l'art brut et à l'art singulier. Et pour le coup, on parle du jardin de Gabriel à Nantillé, en Charente-Maritime. On parle également du musée Sabourdi ou du musée de la création franche. Je ne pense pas que ce soit des vitrines tout à fait clinquantes, mais bien plutôt un exercice de démocratisation et de fait d'embrasser l'art et la culture dans toutes leurs dimensions, y compris sociales. Voilà ce que je peux vous en dire. Pour ce qui est, il y a peut-être un dernier mot, excusez-moi, oui. Président, sur les pratiques amateurs. Effectivement, le CESER a fait un rapport sur les droits culturels et les pratiques amateurs. Aujourd'hui, les pratiques, c'est évidemment artificiel, la distinction entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles, puisqu'on sait que les amateurs sont soit le public de demain, soit les professionnels de demain et les artistes de demain. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons choisi de participer au soutien de la pratique amateur de manière indirecte. Ce n'est pas la compétence de la région. La compétence de la région est évidemment celle de la pratique professionnelle. Et je terminerai par un dernier mot sur l'effort que nous faisons, notamment sur les établissements supérieurs d'art. J'aurai un mot particulier quand même sur le PESMD, puisqu'aujourd'hui, nous avons accepté de prendre la maîtrise d'ouvrage du PESMD, ce qui est un signe tout à fait volontariste de notre part sur l'attention portée à la formation initiale pour donc les étudiants qui souhaitent se destiner aux métiers artistiques et culturels. Merci. Mais gardons bien en mémoire que on n'est pas là dans notre politique culturelle, c'est une part de notre politique culturelle, et le reste, nous faisons, d'ailleurs avec la DRAC parfois, avec beaucoup d'autres collectivités. Donc c'est hors du champ de cette analyse. À ce moment-là, on peut dire tout et n'importe quoi. Le Rassemblement national ne veut pas s'exprimer ? Edwige Diaz ? Si, j'avais levé la main tout à l'heure. J'ai bien noté Pascal Coste, les deux mots de Pascal Coste. C'est ce que tu me disais, Pascal ? Alors, Edwige Delas. Alors, Monsieur le Président, rarement dans l'histoire, la signature d'un contrat de plan État-région aura été aussi laborieuse. Certes, la crise sanitaire l'a retardée, mais elle n'explique pas tout. L'État a beaucoup traîné des pieds dans cette affaire, et d'ailleurs, il continue de le faire avec ce CPER. Car quelles sont les différences fondamentales entre cette version finale et l'accord cadre voté il y a un an ? Je me souviens qu'on nous avait promis l'année dernière que le document qu'on nous présenterait aujourd'hui serait bien plus complet que les déclarations d'intention qu'il contenait. Pardonnez-moi, mais il n'en est rien. Il contient certes des précisions sur la gouvernance, sur l'éco-socio-conditionnalité des subventions, j'y reviendrai plus tard, et une première liste de projets. C'est tout. Pour le reste, c'est un copier-coller pur et simple, vous en conviendrez, en 12 mois, ce sont des avancées très légères. Au final, ce document maintient tout le monde dans le flou. Et là, je cite le CESER qui, pour une fois, nous surprend agréablement grâce à son analyse. Ceux qui sont maintenus dans le flou, eh bien en premier lieu, les collectivités, alors qu'elles ont besoin de visibilité sur leurs projets futurs. Ce document montre aussi une certaine déliquescence des CPER,
avec des manques de précision, des prescriptions nébuleuses, un calendrier quasi inexistant et des montants inconnus puisqu'on ne connaît ni la répartition entre fonctionnement et investissement, ni l'individualisation des sommes promises par l'État. Au final, ce CPER est une déclaration de bonnes intentions d'un gouvernement qui ne fait que promettre des engagements sans financement, et ce, à moins d'un mois de l'élection présidentielle. C'est tellement plus facile de faire campagne avec le chéquier de la République. Mais tout cela est très peu surprenant de la part d'un gouvernement qui a passé son mandat à dissimuler, à instrumentaliser, à mépriser les collectivités territoriales et à rechigner à investir dans les territoires. Il est définitivement bien loin le temps où on vous faisait miroiter le fameux pacte girondin, encore une promesse non tenue. Mais le pire, en ce qui concerne ces constats alarmants relatifs au CPER, c'est qu'ils étaient prévisibles. En effet, on ne compte plus les rapports qui émanent de la Direction générale des collectivités locales, des rapports de députés, des rapports même de la Cour des comptes qui dénoncent, et le constat est clairement sévère, puisqu'ils dénoncent les innombrables dysfonctionnements, manque de visibilité, sous-exécution budgétaire et même des exécutions financières chaotiques, des absences d'évaluation et l'intégration de projets non matures, etc. Et il n'oublie pas, tous ces rapports, de pointer du doigt l'enchevêtrement qui découle sur l'illisibilité entre les accords de relance, les contrats de relance et de transition énergétique, les contrats de ruralité et tous les autres actes de contractualisation type action cœur de ville, territoire d'industrie, petite ville de demain, etc. Bref, on atteint là le paroxysme de la technocratie avec pour conséquence de la confusion à tous les étages. Le pire, c'est que tout ceci n'est pas nouveau, puisque le manque de vision stratégique et d'efficacité a été souligné par la Cour des comptes dès 2014. Dès 2013, un rapport parlementaire déplorait que les CPER 2007-2013 ressemblaient à, je cite, « des catalogues de projets, une liste de courses ». Et même dès 1999, des rapports faisaient l'analyse des contrats de plan État-région, ceux de 1994 à 1998. Donc ces rapports critiquaient les CPER en les qualifiant d'instables, extrêmement complexes et pas entièrement exécutés malgré leur étalement sur une année supplémentaire, soit une fin en 1999. Bon, Monsieur le Président, en 2007, vous étiez député. Donc vous aviez eu accès à ces diagnostics parlementaires accablants. Et en 1998, vous étiez déjà président de la région, donc le CPER que nous votons aujourd'hui est en réalité votre cinquième CPER. Ma question est la suivante, comment expliquez-vous que ce CPER soit si mal ficelé, si mal négocié, et surtout qu'il ne bénéficie absolument pas de l'expérience et de la hauteur de vue qui devrait être la vôtre? Maintenant sur le fond. Une autre grande incertitude plane sur ce contrat de plan avec l'absence de volet dédié à la mobilité. On est pourtant sur ce qui devrait être le cœur du CPER, à savoir des projets structurants et au service du désenclavement des territoires. Certes, l'État nous promet qu'il y en aura un après 2023, mais les promesses, surtout celles d'un gouvernement qui a la fâcheuse habitude d'annoncer qu'il réalisera demain ce qu'il refuse de faire aujourd'hui, n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Certes, il justifie cela par le rattrapage des retards pris par le CPER 2015-2020, mais peut-être qu'en 2023, en fonction du résultat des élections bien sûr, on viendra nous expliquer qu'il n'y aura pas de volet mobilité car nous devrons rattraper les retards pris sur le rattrapage des retards. Je rappellerai inlassablement que Marine Le Pen veut mettre en place une vertueuse vision de la politique de démétropolisation avec un rééquilibrage territorial qui passera par un désenclavement des territoires ruraux réussi grâce à une politique ambitieuse de mobilité qui alliera les volets ferroviaires, routiers, aériens et maritimes. Si le gouvernement macroniste va se défendre en nous citant le plan de rénovation des petites lignes, il oubliera sans doute de rappeler que son engagement cumulé à celui de la SNCF n'atteint que 38% du montant, là où il atteignait 45% lors du précédent plan. Alors ce CPER, qui devait nous éclairer, nous maintient finalement dans de nombreuses incertitudes qui ont de quoi nous inquiéter. En parallèle et malheureusement, le peu que nous savons de son contenu a de quoi, pour le moins, nous déconcerter. C'est tout d'abord un contrat qui a de grands absents.
Parmi eux, il n'y a pas le volet agricole, à proprement parler, en dehors de sa dimension technologique ou de la recherche. Cela a de quoi étonner pour la première région agricole de France et à l'heure où nos agriculteurs souffrent en silence. Un CPER négocié par le Rassemblement national aurait proposé des actions fortes pour aider les agriculteurs et tendre vers notre autosuffisance alimentaire. Il n'y a pas non plus de réel volet santé, alors que la crise sanitaire a rappelé les faiblesses de notre système de santé et particulièrement de sa territorialisation. Il y avait là un levier important pour lutter contre la désertification médicale dans notre région. Je pense notamment à des départements comme la Creuse qui sont sinistrés sur ce point. Un CPER négocié par le Rassemblement national aurait accentué le développement des maisons de santé et l'aménagement territorial grâce au numérique au bénéfice de l'e-santé. On ne voit pas non plus d'ambition maritime. Malgré nos 720 km de côte et les enjeux importants autour de la pêche, de l'aquaculture, de la modernisation de nos ports et de nos criers, un CPER négocié par le Rassemblement national aurait d'office exclu le projet d'éolienne offshore au large de l'île d'Oléron. On n'y voit pas non plus de politique ambitieuse relative aux étudiants et aux jeunes, premières victimes de la crise Covid. Un CPER négocié par le Rassemblement national aurait proposé la construction urgente de logements étudiants, 100 000 à l'échelon national, en 5 ans. Rien, enfin, pour rééquilibrer le territoire et revitaliser nos campagnes et villes moyennes pendant que vous allez continuer d'investir à perte dans le tonneau des Danaïdes de la politique de la ville. En bref, vous gavez d'argent public les quartiers pendant que la ruralité est une nouvelle fois la grande oubliée. C'est aussi un contrat, malheureusement, qui présente de grandes insuffisances. Je pense évidemment à l'axe dédié au sein de l'appareil productif et aux filières. Avec à peine plus de 3% du montant total de ce document, notre économie est le parent pauvre du futur CPER. Quelle est loin l'époque où, avec le gouvernement, vous nous promettiez que la relance, que la relocalisation et que la réindustrialisation seraient vos priorités de l'après-Covid. Les actes sont décidément bien éloignés des beaux discours et en l'occurrence celui de vos vœux de janvier 2022. On constate également un montant ridiculement faible pour les filières touristiques, alors qu'elles sont parmi les premières pourvoyeuses d'emplois de notre région et qu'elles ont été les grandes sacrifiées des 2 années de gestion chaotique de la crise sanitaire. Enfin, c'est un contrat qui contient des excès qui virent même à l'overdose. Ce contrat de plan est pollué par le dogme du tout écologique. Non seulement vous consacrez plus de 42% du montant de ce CPER à la fumeuse transition écologique et énergétique, mais vous arrivez à le placer dans tous les autres axes, quitte à tomber dans une obsession du tout écolo aussi ridicule que néfaste. Vous indiquez vouloir un développement accéléré et équilibré des énergies renouvelables pour qu'elles atteignent 32% de notre mix énergétique d'ici 2030, mais quelles sont exactement ces énergies renouvelables ? Vous avancez un peu masqué parce que dans ce contrat, vous citez avant tout la biomasse. Mais on sait très pertinemment que vous allez tout miser sur l'éolien et le photovoltaïque pour répondre notamment aux objectifs du Stradet. Alors quand vous nous expliquez que ce sera un développement accéléré et équilibré, on comprend que vous allez mettre partout et pour tout le monde. En bref, vous allez saccager davantage nos territoires et nos terroirs pour y installer des énergies intermittentes et coûteuses, peut-être aussi que l'on va voir se multiplier les projets démentiels, comme la gigantesque ferme photovoltaïque de 1000 hectares à Socats, ou le parc éolien offshore au large de l'île d'Oléron, puisque j'ai lu avec attention votre récente tribune de majorité annonçant toute votre fierté de voir ces projets être menés, et ce malgré les catastrophes écologiques et économiques qu'ils vont provoquer. Enfin, je reviens sur l'imposition de mesures d'éco-socio-conditionnalité des aides, notamment aux entreprises. En bref, vous êtes dans le prolongement des mesures de Néoterra avec toujours plus de contraintes environnementales et administratives saupoudrées de discrimination qui n'a de positif que le nom. Des réglementations néfastes et idéologiques qui ne font que s'ajouter à d'autres règles nationales et européennes et donc alourdissent des normes qui étouffent nos entreprises, leur liberté et leur compétitivité. Vous prétendez vouloir les usines et l'écologie, mais avec votre volonté de laver plus vert que vert, vous n'aurez ni les usines, ni les écologies. Parce que ce plan met beaucoup trop d'argent là où il devrait en mettre beaucoup moins. Parce que ce plan ne met pas suffisamment là où il devrait en mettre beaucoup plus. Parce que nous combattons la politique calamiteuse du gouvernement macroniste. Et parce que nous avons voté contre votre budget, contre le Stradet et contre Néoterra, nous voterons bien évidemment contre ce CPER.
J'aurais pas compris que vous en que vous fassiez autrement. C'était extrêmement ciblé. Votre intervention est remarquable, quoi. Une forme de ressemblance d'un autre groupe de cette maison, hein, d'ailleurs. Ce genre de caricature. Alors, il y a Christine Séguinot qui souhaite Merci, Président. Intervenir. Monsieur le Président, chers collègues, moi je voulais intervenir sur le volet mobilité qui n'est pas toujours inclus dans ce CPER 2022-2027, mais encore une fois repoussé à 2023 après les présidentielles. En commission, le vice-président Renaud Lagrave a bien exprimé le regret de la région et des autres de ne pas avoir, enfin, d'avoir ce décalage. Mais comme nous l'avions dénoncé également en avril 2021, où la région avait voté l'accord de relance, enfin l'accord cadre du CPER avant les régionales, nous aurions préféré qu'on ait un refus de signer ce CPER sans le volet mobilité, car on voit bien par ailleurs que dans cette séquence des présidentielles, l'État cède plutôt facilement à des revendications comme celle des transporteurs, avec 400 millions d'euros qui apparaissent, ou encore la question de l'autonomie en Corse. Pour ce mandat, vous avez refusé la mise en place d'un budget participatif, la mise en place de conventions citoyennes. Et je voulais revenir sur ce qu'a dit Maryse Combe tout à l'heure à propos de la concertation dont on n'a pas été averti, qui s'est déroulée avec l'État et la région du 17 février au 17 mars. J'aimerais bien savoir comment une enquête qui se clôture trois jours avant notre plénière, comment on fait pour intégrer éventuellement les remarques et les propositions qui ont été faites. Une autre chose aussi, et vous l'avez redit plusieurs fois au cours de vos interventions sur ce CPER, je voudrais simplement rappeler là que le protocole des petites lignes qui a été voté en avril 2021, en même temps que l'accord, que le CPER cadre, ne comportait aucun engagement financier nouveau, contrairement à la communication qui est faite autour de cette délibération. Ce n'était pas non plus le volet mobilité du futur CPER, confusion également entretenue par l'État autant que par la région. Dans ce document du protocole des petites lignes, les travaux nécessaires pour le réseau régional sont estimés à environ 1,5 milliard d'euros, avec un engagement de 900 millions d'euros pour la région. Mais ces estimations ne valent pas engagement financier. La signature de ce protocole en grande pompe en avril 2021 n'a acté qu'une clé de répartition État-région sur d'éventuels investissements en fonction des lignes ferroviaires concernées. Et je rappelle également que sur trois lignes d'importance locale ou régionale, les charges seront assurées à 100% par la région, Busseau-Felletin, Nexon-Brive et Thouars-Bruissuire. Et pour finir, je voudrais juste dire un petit mot sur le volet recherche par rapport à ce que a dit mon collègue Alain Bachet tout à l'heure. Et vous l'avez dit exactement aussi, c'est que ce CPER, on a quand même majoritairement des fonds d'investissement. On a très peu de fonds de fonctionnement. La problématique que l'on a, c'est que pour les sciences sociales, ils ont besoin non pas d'investissement, mais de personnel. Et donc, en n'ayant pas de budget de fonctionnement, ça va être compliqué de pouvoir soutenir la recherche sur les sciences sociales. Donc, pour toutes ces raisons exprimées par Maryse, Katia et moi-même, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Non, mais je ne sais pas comment faire passer le message. Gérard, sur sciences humaines, CPER... Oui. Sur la question des sciences humaines et sociales, c'est une réflexion qui revient de manière récurrente. Je tiens à vous dire, en tout cas dans cette région, qu'il y a bien longtemps que les sciences humaines et sociales ne sont pas juste convoquées pour terminer un dossier. On a fait un effort absolument conséquent, qu'il s'agisse du CPER ou qu'il s'agisse de tous les autres instruments de financement de la recherche. Et je crois le montrer pour ceux qui sont dans la commission à laquelle j'appartiens, éducation et puis enseignement supérieur recherche ou le GIA correspondant. Je prends bien soin à chaque délibération d'attirer votre attention sur le fait qu'on investit fortement sur ces domaines. Dans ce CPER, il y a plusieurs projets immobiliers d'envergure qui vont se développer dans différents points du territoire. Et on a développé des réseaux régionaux de recherche qui sont spécifiquement dédiés pour certains aux sciences humaines et sociales. Et pour tous les autres, les sciences humaines et sociales, on
prend leur part au même titre que les sciences et technologies. Donc ça, c'est vraiment une idée sur laquelle il faut revenir. Les sciences humaines et sociales, aujourd'hui, sont bien accompagnées. Effectivement, elles ont besoin de fonctionnement et on a énormément de dispositifs qui les accompagnent sur le fonctionnement. Je rappelle juste, par exemple, sur l'appel à projets recherche, là où nous ne finançons qu'à 50% les projets d'équipement de thèse de doctorat ou de post-doc, nous finançons à 100% les thèses de doctorat et les post-doc pour les sciences humaines et sociales et nous prenons jusqu'à 80% du fonctionnement. Donc leur situation est largement prise en compte et quand on fait un bilan, elles sont extrêmement représentées, même plus qu'à hauteur de leur taille dans la région. Mais là, encore une fois, chère Christine, on est dans le CPER, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Je ne mélange pas, simplement. Si, vous mélangez tout. Non. D'abord, c'est une volonté de ma part d'inscrire les sciences humaines dans l'avenir scientifique et de recherche de la région. Gérard peut en témoigner, il le porte. Premièrement, le retour de la MSHA sur Bordeaux a été un dossier relativement compliqué. On l'a fait. Mais ne confondez pas CPER et les autres politiques régionales, les aides à la recherche, les systèmes d'équipement. Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé dans certaines interventions. Supposons que dans le domaine de la recherche, la région ne se consacre pas à cet aspect de recherche qui a un rôle éminent sur les alternatives à certaines technologies produisant du réchauffement climatique, sur les technologies produisant de la pollution des sols. Imaginons qu'on ne se consacre pas à ça. Vous pourriez nous dire, mais c'est quoi pour vous la transition écologique ? Or, on s'y consacre dans nos capacités de recherche. Quand on développe, et ce n'est pas un dossier que vous avez porté, que vous avez inventé, que vous avez conçu, quand on porte One Health avec Gilles Boeuf, avec Françoise Janson, avec Gérard Blanchard, c'est d'où vient ce dossier ? Qui a eu l'idée ? Qui va faire l'objet dans le CPER d'un superbe laboratoire qui sera unique en Europe, à Limoges. Enfin, si ça ne rentre pas dans quelque chose de systémique sur la lutte contre le réchauffement climatique, le problème des sources, des causes, des épidémies, j'y comprends rien. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes plus dans la majorité aujourd'hui qu'il faut être caricatural dans vos critiques. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas changé. Deuxièmement, Pascal, soyez pas jalouse. Oui, merci, monsieur. Non, j'ai pas terminé. Sur les petites lignes, sous le contrôle de Renaud Lagrave et des élus qui suivent, sur les petites lignes, on négocie avec le ministre chargé du ferroviaire que la région va intervenir, même sans ressources en face. Je veux dire, là, peut-être qu'on s'est fait avoir et qu'il aurait fallu refuser toute intervention sur la régénération des lignes ferroviaires. Ça, d'ailleurs, certaines organisations syndicales nous l'avaient reproché il y a 15 ans. Si on ne l'avait pas fait, la moitié des lignes de desserte du territoire seraient fermées. Parce que depuis 30 ans, les gouvernements successifs n'investissent pas assez sur le ferroviaire. Aujourd'hui, on est passé de ce qui avait été annoncé de 3,6 milliards par an auprès des SNCF Réseau à 2,8 milliards. Il faudrait 4 milliards. Bon, on a signé, et avec un engagement du ministre, vous n'intervenez, je regarde Renaud Lagrave, vous n'intervenez que sur les lignes de desserte fine. Quel est aujourd'hui ce qu'on nous demande ? D'intervenir sur les lignes nationales. POLT, qui est quand même une ligne nationale où j'y connais rien. On nous demande d'intervenir sur la signalisation interopérable entre les trains sur la ligne Paris-Bordeaux-Bayonne. Enfin, je veux dire, ce fonctionnement est inacceptable, insupportable. Si on n'a pas confiance à un moment donné dans nos trajectoires, eh ben on ne peut pas fonctionner.
On ne peut pas fonctionner. On se fait léopardiser, curiaciser, etc. Et ça nous énerve. Pascal, les LGV, c'est ne m'énerve pas. La LGV, vu les retombées sociales et économiques, enfin, quand même, vous n'allez pas ramener ça avec les 10 000 camions qui polluent toute l'Aquitaine. Je ne comprends pas comment un parti écologiste peut défendre 10 000 camions par jour. C'est un pur scandale. Pascal, prends la parole, s'il te plaît, sinon je vais m'énerver. Bon, alors, monsieur le Président, mes chers amis, c'est pas à peine de s'énerver. Moi, je voudrais, à mon tour, saluer le travail qui a été fait par les équipes, les vice-présidents et vous tous. Regretter très profondément qu'on n'ait pas un bilan chiffré de la période 2015-2020, parce que c'est quand même beaucoup d'annonces qui sont faites, notamment de la part des gouvernements successifs sur ces contrats de plan et qui sont rarement tenues. Donc je pense que ça doit nous amener parfois ici à avoir un peu plus de modestie, parce que s'il n'y avait pas les collectivités locales et les régions pour pallier parfois à ces manques-là, ça serait bien compliqué. Et vous le disiez d'ailleurs, Monsieur le Président, sur la ligne POLT, où on vient nous chercher, alors qu'il faudrait que l'État ait l'ambition et les moyens de ses ambitions et sache financer un train qui est bien nécessaire. Le deuxième point, c'est que je pense qu'ici, on partage un certain nombre des valeurs sur lesquelles nous avons besoin d'un État fort et d'un État qui a toute sa place, avec, bien entendu, sur l'aspect régalien et bien d'autres, ce qui fait parfois défaut, mais aussi un État péréquateur. Et ma deuxième remarque serait de savoir assez précisément quel en est quid de l'accord de partenariat qui a été signé le 28 septembre 2020 avec le Premier ministre et les présidents de régions, avec 20 milliards d'annoncés de la part de l'État et autant des régions. Et ces 20 milliards, comment se fait-il qu'ils se déclinent en 0,9, même pas un milliard, ici, en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait encore que 13 régions dans notre pays. Donc ça veut dire qu'on a aussi réellement besoin d'avoir un bilan bien précis pour savoir si, dans cette très très grande région que la Nouvelle-Aquitaine et qui a aussi structurellement besoin de cette péréquation nationale, si l'État joue pleinement son rôle. Et on voit, ça a été dit à l'instant, que sur un certain nombre de lignes, de sujets, c'est la région qui finance très très largement et très majoritairement les projets et que l'État n'est pas au rendez-vous comme dans certains secteurs. Donc je pense qu'on a besoin, au-delà du bilan du passé, d'avoir un état des lieux assez précis de cet aspect de péréquation. Et je ne voudrais pas qu'on soit que dans un sentiment de péréquation. Voilà. Le troisième point, c'est quelques grands oubliés. Moi, je suis quand même assez surpris quand je vois ce contrat de plan État-région que les grandes déclarations de notre préfète de région et donc du gouvernement il y a quelques années portaient sur la nécessité d'avoir un volet ruralité et industrialisation de nos territoires ruraux et donc de renforcement de notre indépendance et de notre souveraineté, y compris alimentaire, et donc d'avoir ce volet sur l'industrialisation de notre pays qui reste très attaché quand même aux territoires ruraux. Eh bien, il n'en est rien. Je trouve ça bizarre. Je suppose que ce n'est pas vous, Monsieur le Président, qui avez fait en sorte que tout ceci disparaisse. Est-ce que c'est réellement une volonté, là j'en aurais besoin de réponse très précise à la question du gouvernement, de faire en sorte que l'équilibre des territoires, et là aussi la péréquation et la complémentarité entre la métropolisation qui s'est renforcée ces dernières années et les territoires ruraux n'est plus une priorité ou n'est pas une priorité. En tout cas, on a besoin véritablement d'explications sur pourquoi les infrastructures qui renforceraient l'industrialisation de notre pays, au-delà des quelques volets sur la recherche scientifique qui sont abordés dans ce contrat de plan, ne sont plus là. Le deuxième point des grands oubliés, c'est la mobilité et le volet mobilité. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ce gouvernement qui s'est engagé, à juste titre, à prolonger ou à remettre
Alors, ce n'est pas du zigzag, mais c'est du zigzag à grande vitesse de remettre la LGV, après les avoir toutes synédiées à direction de Bordeaux, avec tout, à direction de Toulouse, avec tout l'intérêt que ça peut porter, CF, les débats que nous avons pu avoir la dernière fois. Donc, avoir promis beaucoup, beaucoup de milliards en la matière n'est pas, ne soit pas en capacité d'affirmer la nécessité d'un volet mobilité dans ce contrat de plan État-région et donc de nous envoyer très tranquillement à la période après-électorale. Ça serait bien la première fois parce que j'ai quand même cru comprendre que l'actualité nous amenait à ce que les annonces soient faites très régulièrement et qu'on n'attende pas avec une application post-électorale. Donc ça concernerait que la mobilité, ce volet-là. Donc je suis quand même assez surpris. Mais, et je trouve ça inadmissible, pour être très très clair. Par contre, très surpris de votre position, Monsieur le Président, que l'on n'ait pas quand même un volet mobilité dans le vote de cette nouvelle version, après celui de la mandature précédente dans cette enceinte, de ce contrat de plan État-région. Vous avez, à juste titre, dit qu'il était important de voter ce rapport parce que vous préfériez tenir que subir. Et je pense que nous partageons ces valeurs-là. Nous ne sommes pas de ce bois qui est fait de plier ou de rompre et que nous souhaitons justement être acteurs et force de proposition et donc ne pas subir. Donc à l'instar de ce qui a été fait par vos collègues et amis de Bretagne, je m'attendais à ce que nous votions ce matin un véritable plan mobilité, un plan d'anticipation réel sur lequel un certain nombre d'infrastructures en matière de mobilité, vous le savez tous ici, nécessitent beaucoup d'études, auraient pu comprendre un volet à la fois d'études et à la fois de plans stratégiques de la Nouvelle-Aquitaine en matière de mobilité. Parce que ici, dans cette enceinte, vous-même parfois, tout le monde se gargarise de mobilité. Mais derrière la mobilité, de quoi parle-t-on? Que voulons-nous réellement? Et pour notre groupe, la mobilité, c'est à la fois un plan routier Nouvelle-Aquitaine, c'est à la fois un réseau express régional, c'est à la fois le transport de marchandises, c'est à la fois la décarbonation de la flotte de transport, y compris des pêches, notamment, pour rester sur ces grands axes. Sur le plan routier Nouvelle-Aquitaine, moi je voudrais là aussi vous dire que la Nationale 147 doit rester une des priorités. J'entends bien que vous pourriez céder au clientélisme ou à la volonté de certains territoires, et notamment du Grand Poitiers, et de dire « cette route-là est enterrée ». Mais attention, on vient de dire, et vous venez de dire, que vous ne supporteriez pas d'avoir une élection régionale ou une assemblée dans laquelle les élus n'ont pas une vraie vision de l'aménagement du territoire de leur région, et que parce qu'ils seraient sur un territoire de proximité, donc ça veut dire quand même reconnu par leur pair sur le terrain, qui n'est pas forcément le cas de l'élection aujourd'hui, eh bien, on sombrerait dans le clientélisme. J'ai la chance de présider une collectivité qui est sur une base autre, électorale, et on arrive à faire des synthèses et aussi à ne pas céder au clientélisme, parce que c'est une vision très réductrice de penser que les élus ne pensent qu'à leur gueule. Et je crois qu'ici, on est en capacité de démontrer que l'intérêt général doit primer. Et donc le plan routier, de se couvrir sur la 157 du fait, ou de se draper du fait que l'agglomération du Grand Poitiers, pour des raisons plus idéologiques que concrètes, ferait la loi sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, c'est donner beaucoup de poids au Poitou-Charentes par rapport à d'autres décisions en d'autres temps. Je voudrais dire aussi sur le réseau express régional. Sur le réseau express régional, il y a effectivement la délibération que nous voterons tout à l'heure concernant le réseau express régional métropolitain et son extension à l'ensemble de la Gironde. Là aussi, nous le voterons, parce que nous n'avons pas une vision simplement clientéliste et très territorialisée, parce que nous pensons que c'est bien. Mais nous pensons que dans un volet mobilité du contrat de plan État-région et dans un des grands objectifs de notre région Nouvelle-Aquitaine, ce réseau express régional
il doit être étendu à d'autres territoires et ne doit pas se limiter à la seule Gironde, même s'il est là, on a la plus grande population. Et si là, ce n'est pas le cadencement qui compte et le nombre d'arrêts, c'est l'aménagement de l'ensemble du territoire, l'accessibilité à notre capitale bordelaise, et c'est aussi l'express, c'est-à-dire pouvoir avoir du Angoulême, Limoges, puis Ussel, c'est aussi du Bordeaux, Périgueux, Brive, Ussel, c'est aussi du Pau, Biarritz, c'est enfin la capacité à se mettre d'accord sur quelle vision stratégique on a sur ces sujets-là. Donc je n'irai pas plus loin sur ce plan, mais je regrette profondément, pas simplement qu'on n'ait pas de volet mobilité sur ce contrat de Paris-État-Région, je pense que l'État et ce gouvernement est coupable réellement à la matière. Mais attention, rattrapons, Monsieur le Président, notre retard, bâtissons très rapidement ce plan stratégique mobilité de notre grande région, parce que les élections vont vite passer, septembre sera vite là, 2023 c'est demain matin, et on ne saura pas sur un dialogue apaisé de la volonté de la mobilité sur notre territoire. Et deux petits points pour terminer, un sur les éco-socio-conditionnalités. Je dirais attention, oui, il est indispensable que, et les entreprises aujourd'hui sont toutes rentrées dans ces dimensions-là, la dimension sociétale est très importante, mais attention de ne pas dévier les éco-socio-conditionnalités par un pseudo fait du prince ou du roi, ou deuxièmement par une usine à gaz que l'on déjà découvre au travers de Néoterra et de tous les dispositifs d'application sur un certain nombre de dispositifs. Et le dernier point, Monsieur le Président, pour terminer, ce sont les contrats de plan interrégional, État-région, et ça concerne peut-être que chez nous, l'ancienne partie et le Limousin, de cette région, le Limousin, mais ce sont des politiques structurantes de Massif Central. Je remercie l'État d'avoir reconduit ces dispositifs-là. Je pense que ça serait important que notre région Nouvelle-Aquitaine, même si c'est une goutte d'eau, se penche sérieusement, et je suis assez surpris que l'on ne revote pas, comme on le fait sur le contrat de plan État-région, sur une délibération pour acter notre participation concrète à ce plan Massif Central. Je vous remercie. Alors, que répondre à cette longue, passionnante intervention de Pascal Coste? D'abord, sur Massif Central et Pyrénées, c'est pas nous qui allons être opérateurs. Ok? Donc, voilà, on est coincé pour l'instant sur ce plan-là. Occitanie et je pense Rhône-Alpes n'ont pas. Donc, c'est un peu compliqué de faire sans eux. Sur les éco-socio-conditionnalités. Vendredi dernier ou jeudi dernier, on a eu une réunion avec Andrea sur un document que l'on co-construit de la base avec tous les acteurs, la société civile, les collectivités, les entreprises, qui s'appelle le SRDE2I. Et Andrea présentait le SRDE2I aux entreprises qui sont adhérentes au club des ETI. Club des ETI qui se compose à la fois des ETI plus des PME qui aspirent à le devenir. Quelle a été la réaction sur ces éco-socio-conditionnalités? Favorable. Favorable. Nos PME et nos ETI souhaitent effectivement, peut-être pour certains pour leur image, pour leur capacité de recrutement, de donner du sens à leur responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Et sur la transition écologique, ils ont même précisé qu'ils voulaient que l'on écrive qu'il y ait un bilan carbone à 360 degrés de leurs activités. Donc tout ça ne se fait pas en chambre, c'est une demande co-construite. Pascal intervenait tout à l'heure sur le RER, mais le RER, mon cher Pascal, il n'intervient pas que sur la Gironde. D'abord, il est passé de la métropole au-delà
en Gironde, donc en milieu rural, je pense au Médoc, par exemple. On est en train de le traiter à Bayonne, sur le RER Pays Basque, à Poitiers et dans beaucoup d'autres agglomérations, premièrement. Deuxièmement, il y a plusieurs années que nous avions lancé, au départ en Aquitaine puis en Nouvelle-Aquitaine, une opération qui s'appelle OptimeTerre, qui existe entre, notamment dans l'étoile autour de Périgueux, et qui vise à la fois à augmenter les cadences et à créer des bolides permettant d'attirer du monde. Et l'idée, aujourd'hui, en faisant circuler les trains à coût marginal, qui ne pèse pas trop sur le budget de la région, c'est d'étendre le système OptimeTerre en fonction des possibilités de SNCF Mobilité à l'ensemble de la région. Alors peut-être que ça nous prendra un peu plus de temps que prévu, mais OptimeTerre Global Région, RER Global pour le problème de circulation. Si après il n'y a pas de volet mobilité, bon, voilà, pourtant Dieu sait si la position de Région de France a été ferme, etc. Il y a eu un refus en disant, mais on a déjà signé, soit dans le plan de relance, soit dans le plan petite ligne ferroviaire, qui était quand même pas rien, 1,6 milliard. Hein, et personne n'en a contesté le fondement. Imaginons aujourd'hui, si je n'avais pas présenté ce dossier à l'Assemblée plénière, fût-elle de la précédente mandature. C'est-à-dire que non seulement on aurait perdu un an, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on aurait réussi à mobiliser des sommes aussi importantes. C'est totalement surréaliste à la fois de dire il faut développer les petites lignes, mais surtout on n'a pas de contrat ou on retarde le contrat. Enfin, ça, c'était totalement... Sur les chiffres des CPER, simplement ce que je peux dire à la louche, et il y a a priori un document qui est publié par l'État en décembre 2020, sur les transports, fin CPER, Pascal, l'État était entre 50 à 60%. CPER précédent. OK ? Nous étions à 100%. L'État a rajouté dans le cadre du plan de relance 30%. Ce qui fait que le plan de relance a servi à la complétude du CPER. Sur l'enseignement supérieur et la recherche, là, on est quasiment au TAF, parité, autour de 90 à 100%. Sur les transitions, on est à peu près, c'était 70%, il y a eu 20% dans le cadre du plan de relance. Et donc, comme pour la cohésion, il y a eu, en gros, 90 à 100% grâce au plan de relance. Ces chiffres restent à consolider à la fin du plan de relance, fin 2022. Donc je ne peux pas donner les chiffres fin 2022, mais la région était au rendez-vous. Et c'est le cas classique de tous les CPER. Les CPER, ils prennent toujours un an de retard. Et chaque fois, la région est à 100 à 120%, l'État est à entre 50 à 75%. Mais je ne vais pas faire le procès pour un gouvernement. Bercy n'aime pas la contractualisation parce que c'est du pluriannuel, parce que ça donne de la visibilité, et on est toujours emmouscaillé par les mêmes. Maintenant, sur le volet ruralité, ne mettons pas tout, chaque fois je réponds ça depuis que je propose des contrats de plan à cette assemblée plénière, ne mettons pas tout dans les CPER. Parce que imaginez ce qui se passerait demain si la région ficelait ses interventions aux interventions de l'État. Quelle autonomie politique aurions-nous ? À ce moment-là, autant revenir au conseiller territorial. Hein. Ben, c'est vrai, hein. Geneviève Dariussec. Oui, très rapidement, parce que nous avons dépassé l'heure à laquelle nous devions aller déjeuner. Oui. Mais, je sais bien que nous sommes dans une période où les ardeurs des uns et des autres sont décuplées.
et notamment dans la critique. Mais enfin, moi, ce que je vois sur la table là aujourd'hui, et nous en avons parlé depuis le départ, c'est qu'il y a, entre l'accord régional de relance, le CPER et la convention autour des petites lignes, il y a 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, à peu près 3 milliards pour chacun. Région et État. Alors moi, je veux bien entendre tout, mais quand même, c'est pas rien. Et je souhaite, merci, bien sûr qu'on peut ajouter des milliards, notamment dans la mobilité, ce qui les infrastructures de mobilité, ce qui, bien sûr, va être engagé pour 2023. Et effectivement, nous sommes en 2022, donc il va falloir commencer à discuter de ces sujets. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des raisons de douter de cet engagement. Enfin, vous allez me dire, il y a quand même des élections au milieu, il faut qu'elles se passent. Et elles vont se passer, mais enfin, moi, je sais que si le président est reconduit, eh bien, les engagements, ils seront tenus, car ils ont toujours été tenus. Et donc, il y aura cet engagement sur les mobilités qui rajouteront encore des millions, voire des milliards. Alors moi, j'ai une question pour chacun. Il faut que nous ayons aussi nos capacités à faire et à mettre en œuvre tous ces engagements de façon très précise dans un temps qui va être peut-être contraint. Si on prend le plan de relance, l'accord de relance, c'était entre 21 et 22. Nous sommes déjà en 22. Je souhaiterais vraiment que nous ayons une évaluation de tout ce qui a été engagé, au moins engagé. Parce que notre responsabilité d'engagement sur 2,8 milliards, elle est énorme. Donc, moi, je crois qu'il y a eu un travail. Alors, on peut ne pas être d'accord sur l'articulation, on peut ne pas être d'accord sur les stratégies, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. Mais sur un plan des investissements et de l'importance que l'État et le gouvernement a porté auprès des collectivités dans la contractualisation, je veux quand même que je veux remettre les pendules à l'heure, si j'ose m'exprimer ainsi. Quant à la ruralité, elle n'est pas oubliée ni par la région, ni par l'État, qui d'ailleurs a des véritables politiques pour la ruralité, et j'imagine bien que chacun le sait ici. Par exemple, le plan Creuse, ça a quand même été un plan très complet où je pense qu'aucun élu de la Creuse ni aucun habitant de la Creuse trouve que ce plan ne conviendrait pas à la situation du département, qui est un département rural. Et pour ce qui est de l'industrie, il y a bien entendu... Alors, moi, je suis d'accord pour dire que nous manquons globalement de visibilité. Il y a beaucoup de dispositifs entre les actions cœur de ville, les petites villes de demain, les contrats de ruralité, les territoires d'industrie qui sont les porteurs, justement, de l'industrie dans les territoires ruraux, s'ils ont été inscrits dans ces territoires d'industrie. Mais bon, l'État a eu au moins l'avantage de mettre en œuvre l'Agence nationale des collectivités territoriales, où les collectivités peuvent être aidées directement en termes d'ingénierie pour savoir quel est le dispositif dans lequel ils rentrent le mieux. Donc je crois que les outils sont là, l'argent est là, et arrêtons de nous battre la coulpe, et faisons surtout. Et est-ce que nous avons les capacités à faire, et à faire dans les temps ? Parce que c'est à ce rendez-vous-là que nos concitoyens, dont nos concitoyens ont besoin, et c'est celui-là qui nous jugera, au-delà de tous les discours, de l'efficacité de nos politiques et de leur mise en œuvre. Je vous remercie. Et pour poursuivre la réflexion de Geneviève Darrieussecq, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont inscrits dans le CPER qui ne sont pas prêts de la part des collectivités... territorial. Alors, le problème, est, ça dépasse, comment dire, ça dépasse ce gouvernement. J'observe que l'administration centrale n'aime pas les CPER. Ma chère Geneviève, vous pouvez le constater. J'observe notamment que Bercy, mais c'est le cas de toujours, hein. Oui, mais enfin, ils peuvent bien faire ce que les gouvernements ou les élus leur disent de faire. Hein. Oui, mais ça ne marche jamais comme ça. Je vous disais tout à l'heure que le précédent CPER, à la remarque de Pascal Coste, avait été honoré par l'État à hauteur de 50% à la fin du CPER.
et qu'il a fallu le plan de relance, comme d'habitude, une année supplémentaire pour boucler. Sur la capacité à faire, cette capacité à faire, elle changerait totalement si on savait qui faisait quoi. Prenez le cas de Niortoir, inscrit dans le contrat petite ligne. Aujourd'hui, il manque la part des SNCF Réseau et la... C'est ça, François ? Et la part de l'État ? L'État ne met pas de quoi porter. Voilà. Il manque cette part. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la région comble l'absence d'intervention ? C'est pas grand-chose, hein, c'est 1,5 million. Ça peut... par rapport à un budget. Mais on l'a déjà fait sur Libourne-Bergerac, où on a avancé 30 millions d'euros. Sur la liaison entre Limoges et Périgueux. On a une DUP. Les travaux peuvent démarrer de la 2x2 voies au nord de Limoges. On réclame le démarrage des travaux. Moi, j'ai même proposé, avec le cofinancement de l'agglo, du département et de la région, d'avancer les 15 millions d'euros de la part de l'État pour aller jusqu'au bout de la DUP. On n'a pas la démarche. Donc les mécanismes, c'est pas parce que souvent les majorités changent que les habitudes de l'administration centrale changent. Quand l'État veut tout faire, intervenir sur les centres-bourgs, sur les pistes cyclables, il fait pas son job correctement. Et ça devient, pardon de le dire, une caricature. Même si je pense, et je vous le propose, qu'il faut signer ce CPER. Il faut signer ce CPER, on verra par la suite. Quant au projet global de mobilité, on reprendra ça en totalité, mais on le verra d'ailleurs dans cette plénière. Et est-ce qu'Éric Sergiacomo peut dire un mot pour notre groupe ? Avec plaisir, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, je souhaite m'associer à tous ceux qui ont tressé des louanges à Laurence Roed pour le travail qu'elle a effectué, pas simplement sa présentation, mais aussi le travail de concertation qui a permis d'aboutir à la sélection de 147 projets. Pourtant, que de critiques sur le fond et sur la forme. Peut-être est-ce lié à la particularité du contrat qui est celui du CPER, puisque une des parties ne peut pas être à la barre dans cette assemblée, c'est l'État. Et nous le comprenons bien. Beaucoup de critiques, et pourtant, il faut avancer pour l'intérêt des territoires. Les territoires ont été réellement impliqués dans la façon dont le Conseil régional a souhaité construire ce nouveau CPER. Et nous en sommes aujourd'hui fiers et nous le défendons. Nous sommes convaincus que c'est de cette façon que la région incarne la place qui est la sienne. Permettre aux territoires de se projeter, les soutenir fortement dans leurs projets, mais surtout faire confiance aux élus locaux pour déterminer quels seront les projets qui structureront leur territoire. Dans un contrat, il y a toujours une recherche d'équilibre entre les parties. Évidemment, avec l'État, cet équilibre est souvent imparfait. Nous pouvons nous en douter. Toutefois, considérons aussi que le CPER n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques de la région, et nous le verrons cet après-midi, avec les politiques de contractualisation. Bien sûr, le groupe socialiste apparenté votera favorablement au projet de CPER. Merci, Éric. À moins que Laurence ait un message à faire passer. Tout a été dit, et le message, parce qu'on voit bien que chacun tire ce document vers ce qui l'intéresse. Hein. Parfois, on nous reproche que c'est une liste de courses, parfois, on nous dit que la liste de courses n'a pas suffisamment rempli le caddie. L'idée, c'est qu'on ne se disperse pas. Qu'en effet, il y a les politiques contractuelles et il y a d'autres secteurs d'intervention. Remercier les services, remercier et aussi les directions sectorielles et l'ensemble de mes collègues vice-présidents et conseillers délégués qui ont travaillé à ce document, qui va vivre avec les comités de suivi, de pilotage, les CTAP et tous les comptes qu'il y aura à rendre. Allô ? Pardon, excusez-moi. Je subissais une agression de la première vice-présidente, insupportable d'ailleurs. Non mais, alors je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est d'avis de l'adopter, le manifeste en levant la main. Qui s'abstient ?
qui est contre. Ce rapport est donc adopté et je vous en remercie à une large majorité. Je vous propose, mes chers collègues, notamment pour ceux qui sont en hypoglycémie. Donc on avait prévu 13h30, il est 14h. Je vous propose de nous retrouver à 15h15. On va essayer